encore ennuyé. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est un plaisir pour moi avec nous. Je dis, Ok. Mes amis, comment nous? Bonjour, bonjour. Et c'est depuis que ça fait un bon petit temps, nous parlons chez live, hein, pour moi. Et des bons petits temps avec famille, hein. So, je retourne avec nous là. Je salue nous toutes. Et c'est un plaisir, vous m'avez avec nous. Je vous dis là encore une fois. Rénal, Félix, vous avez pas moi, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour. Et maintenant là, vous connaissez, c'est celle BBJ 109 qui fait bail, ça aussi. Maintenant là, moi je fais la vie, ça. Vous comprenez, nous connaissons pile par la pile. Et la falaise, là, oui, mais nous connaissons pile par la pile qui a fait ce dossier. Cher là, voilà, moi, cher, il y a un groupe parce que il faut nous montrer comment nous-mêmes dans BBJ 109, nous solides, les nafons, bail, sérieux, bagay, nous allons envoyer des charges. Nous allons envoyer l'obéi. C'est bail soit nous faisons nous-mêmes. Et c'est nous de compréhension des réalités politiques pays. Et c'est nous-mêmes. Nous ne pouvons pas dire les affaires, non. En fait, son réalité liée. Son réalité, ou on ne sait pas dire les affaires. Nous sommes nordés. Salutations à nous-mêmes. Salut. Et chers là, les hommes, nous, les proches, nous, parce que c'est seul nous-mêmes qui pouvons présenter une lecture de situation, ça. Cap fait en Haïti, nous tant des conseils électoraux provisoires montés, manifestations, coups super, coups de compte et coups de cassation, en pile par en pile. Moi-même, dans BBJ 109, je vais mettre que nous comprenons la réalité, comme d'habitude, nous connaissons. Le BBJ 109 qui a fait un travail, pas de jouer là, pas de jouer là. Vous comprenez? Maintenant, il est très important pour nous capables de comprendre en série de bagailles. Et avant de commencer, après tout, nous saluons encore tous les amis, les camarades, les camarades BBJ 109. Rappel, comment il faut mon chef de fontie déconnecté. Et m'a profité de nous que nous allons gagner live seulement chaque dimanche. Je dis en ces derniers live que m'a fait pour ces derniers live que m'a fait sur question ça. But toute live m'a pas venir sous forme seulement vendredi dimanche que m'a fait live. Et c'est seulement dimanche que m'a fait live. Et, mais m'a dit nous ça sincèrement moi m'a dit aucun problème avec nous. Seulement, au cas où pas rater la vie, je dis à la. Donc, on est. Aïe, c'est pas un respect. C'est pas un peu d'importance ou mérité. Aïe, ton peuple est quand il y a une situation, vous comprenez. Et si ça te fait, et journée, je dis, on m'a dit nous tout. Si nous mangeons en réticent, par rapport à une série de comportements. C'est parce que Haïtien ne va pas valoriser rien. Hein? Haïtien ne va pas valoriser rien. Hein? Mais comme c'est frère moi, comme c'est frère moi, je connais une bonne culture ça. Une bonne culture ça à la caille. Je n'ai pas aucun problème avec vous. Mes chers amis, pas inquiétez nous. Matin là, nous allons bien parler. Et pas zin de palbouille là, tant pis. C'est pas jouer de palbien là. Maintenant, on va faire philosophie juridique. Je vais enseigner la philosophie juridique dans le contexte haïtien. Là. Maintenant, si on moun, en particulier, on va pencher sur le droit public, c'est-à-dire on va pencher sur, d'une façon particulière, sur le droit constitutionnel. Maintenant, si on moun, on va faire sociologie juridique tout, parce que à la fois philosophie juridique, mais sociologie juridique. Maintenant, si on moun, ou pas connaît, ou pas gain base, ou pas formé, inoff.
t'en prie, pas vin jouer, pas vin entrer dans un bagage qu'on pas connaît. OK? So basically, nous pas perdre temps nous pour nous jouer à moun ni pour nous bagarre. Nous prend tête nous connait qui est nous dans bébé gestionnaire et nous connait qui travaille n'a fait. OK? So et nous ka remarqué m'a commencé ça avec nous jodi hein. On va lire éditorial là, on va lire éditorial là. Et puis qu'on y a nous va entrer dans analyse. Nous allons entrer dans l'analyse politique et juridique là, de la situation. Alors, bon. Je lis pour vous. Et exercice et gestes d'éthique sur le comportement du président de la République. Entre le droit et le fait, la normalité et la stabilité. Il ne faut pas confondre la normalité et la stabilité. Entre la lettre et l'esprit dicte le chemin, oriente la voie et la lettre le codifie. Oui, le président de la République a violé la Constitution, seulement dans la lettre, mais pas dans l'esprit. Comprenez bien? J'ai dit que le président de la République a violé la Constitution de la République, de 1987, seulement dans la lettre, mais pas dans l'esprit. Seule une cour constitutionnelle serait tranchée. Et comme il n'y en a aucune, donc le président interprète la Constitution. Attendez bien. Dans la philosophie juridique, si vous n'avez aucune formation philosophique juridique, pas venir pencher là. Parce que je fais un travail qui repose sur ce qu'on appelle des bases superstructurelle de la société haïtienne, c'est-à-dire le droit et l'activité politique sont des éléments de la superstructure de la société haïtienne. Maintenant, en période normale, le droit doit toujours primer sur les faits. J'ai bien dit, en période normale, c'est-à-dire de la normalité des choses. On va dire en période de stabilité, non? Parce qu'il y a une grande différence entre stabilité politique et normalité politique. J'ai dit, en période normale, le droit doit toujours, c'est ça que l'homme dit normal, ouais, le bon mot qui vient de lui, que relève la norme. C'est-à-dire, la norme fait référence au droit. C'est-à-dire, le droit. On dit, en période normale, le droit doit toujours primer sur les faits. Mais, puisque ces derniers sont têtus, à savoir les faits. OK? Puisque les faits sont têtus, ils finissent toujours par bousculer le droit pour créer une situation de crise. C'est-à-dire, lorsque le droit cherche toujours, droit toujours là pour faire conformer au droit. Mais puisque les faits sont toujours têtus, et effectivement les faits sont têtus, les faits sont têtus, les faits sont toujours là pour bousculer le droit. Et là où bousculer le droit, ça vient créer ce qu'on appelle une situation de crise. Depuis que nèg la pas vle comportement acteur, pas vle conformer avec le droit, ou tomber dans ce qu'on appelle un fait. Lorsque les faits ne veulent pas se conformer au droit, les bousculer le droit. Et lorsque le bouscule les doigts, il sortit de la normalité. Et depuis le sorti de la normalité, on tombe dans une situation de crise. Tenez bien, on tombe dans une situation de crise. Maintenant, en période de crise, que dit le droit? Tenez bien, oui. Comprenez bien ce que je dis. Puisque l'effet bouscule le doigt pour échapper au droit, c'est-à-dire le fait, se fait référence au comportement des acteurs qui essaient d'échapper au droit. Maintenant, puisque le comportement des acteurs ne sont pas conformes au droit, ils échappent au droit, ça c'est les faits. Maintenant, qui ça fait? Ils créent une situation de crise. Maintenant, que dit le droit en cas de situation de crise? Maintenant, pour résoudre un problème de crise, lors d'une situation de crise, que prescrit le droit pour qu'on retourne dans la normalité, dans l'ordre juridique? Maintenant, le droit dit, en Haïti, le droit est muet en période de crise.
Et c'est une raison qui fait que nous toujours une crise en Haïti. Lorsque les faits ont bousculé les lois, le droit en Haïti, il y a un gros problème qui vous est. Nous sortons en dehors de faire, de droit. Et lorsque nous sortons dans la situation, ça, maintenant le droit haïtien n'a rien prescrit pour résoudre les problèmes de crise, en période de crise. Et puisque en période de crise, le droit est muet, les acteurs cherchent des accords pour revenir à la normalité. Maintenant, il faut comprendre ce que je dis. Maintenant, puisque le droit est écarté à un moment donné par les faits de la politique, en période de crise, maintenant les acteurs, par voie consensuelle, par voie de dialogue, ils chita ensemble, bien entendu, pour les jeunes, ce qu'on appelle un accord, pour être capable de retourner dans la normalité. Et ça, c'est le problème. Et ça, c'est l'élément essentiel. Vous comprenez? Maintenant, deuxième élément pour nous toucher. Cependant, il ne faut pas confondre normalité et stabilité. Le fait que les acteurs ont trouvé un accord pour y retourner dans l'ordre constitutionnel ou bien dans l'ordre juridique, ça ne veut pas dire pour autant que y a une stabilité. Non, du tout pas. Y a une normalité. Y a retourné à la normalité. Et ça ne veut pas dire que y a retourné à la stabilité. Maintenant, il peut exister une corrélation, bien entendu, entre les deux. Il peut exister une corrélation entre la normalité et la stabilité. On parle de stabilité politique lorsque les institutions politiques fonctionnent régulièrement. Là, on est dans la stabilité politique. C'est-à-dire, lorsque le système fonctionne, il n'y a pas de crise. On parle de normalité lorsque, normalement, l'ordre juridique, c'est-à-dire qui sert de fondement aux activités politiques, tout le monde acteur conformé à elle. Ça, c'est normal. Maintenant, contrairement à l'article 16 de la Constitution française qui attribue des pouvoirs discrétionnels et exceptionnels au président de la République, j'ai bien dit l'article 16 de la Constitution de 1958 en France, en période de crise, le droit français attribue des pouvoirs exceptionnels. Attendez bien, je prends ça comme exemple, l'article 16 de la Constitution française de 1958. Le pouvoir, c'est qui sa constitution en fait en France, il a attribué des pouvoirs exceptionnels, des pouvoirs discrétionnels que y aurait les pouvoirs de crise. En période de crise, il aurait reconnaît le président de la République un ensemble de pouvoirs pour le capable légiférer, pour le capable agir. Ce qui est tout à fait contraire dans le droit haïtien. Le droit haïtien n'a pas mis en place des mécanismes juridiques permettant au président de la République de pouvoir intervenir en période de crise. Constitution 1987 là en Haïti amendée, li pa bay président d'Haïti a aucun pouvoir discrétionnaire, li pa bay président d'Haïti aucun pouvoir de crise pour intervenir en période de crise. Au contraire, qui ça le dit? Li dit dans l'article 150 de la Constitution de 1987. Qui ça le dit? Li dit le président de la République n'a autre attribution que celle qui lui est reconnu par la Constitution. Président de la République n'a pas l'autre autorité ni pouvoir que ça que Constitution 87 la balle. Tandis bien, oui, ça me dit. C'est-à-dire que dans la Constitution française, dans l'esprit de la Constitution française, les constituants ont réfléchi aux périodes de crise. C'est-à-dire, en cas de crise, ils ont dit que le président de la République n'a pas mis ce pouvoir pour l'intervenir. Aux États-Unis, tout. Gon pouvoir yo bay président que yo relé un pouvoir exceptionnel en période de crise, c'est-à-dire le président de la République gen doit intervenir lui-même. Ça c'est pouvoir que yo reconnaît le président de la République là, sans que pouvoir ça c'est période de crise, il gon pouvoir exceptionnel. Mais en Haïti, nous avons pas ce mécanisme là. Et c'est ça qui parle source de problème. Regardez bien, oui. Donc puisque constitution pas reconnaître l'autre pouvoir bay président en période de crise, toute action et décision que le président prend en période de crise et qui n'est pas conforme à la Constitution, il est anticonstitutionnel, c'est-à-dire il est illégal. Je vais parler de la légalité. La légalité ne fait pas référence seulement à la loi.
La légalité fait référence à l'ordre juridique. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas conforme à l'ordre juridique, à la loi. La loi n'est pas seulement... Lors de la loi, ce n'est pas seulement loi que le Parlement voté. Non, la loi fait aussi... La Constitution, c'est une loi. Décret, c'est une loi. Chamyo voté, c'est une loi. Maintenant, l'on parle de la légalité. Yon acte illégal, c'est un acte qui est conforme à la loi. Ok, maintenant. Puisque le président prend des décisions, prend des actions, par exemple, décret, nommé conseil électoral provisoire, patati patata, en dehors de cadre que Constitution prescrit, comment vous le faites? Fait attention. Maintenant, le président de la République, lui agit contrairement avec la Constitution, c'est-à-dire lui violer la Constitution. Ça n'aime bien? Fait attention. Lui violer la Constitution, c'est-à-dire il a violé la lettre, mais il n'a pas violé l'esprit de la Constitution. Comprenez bien ce que je dis. Parce que, dit nous bien, philosophie juridique, c'est pas un bagage qui mince. Il fait n'importe quel bagage juriste. Le président de la République a violé la lettre de la Constitution. Mais il n'a pas violé l'esprit de la Constitution. Pour quelle raison? Il n'a pas violé l'esprit de la Constitution. Puisque la Constitution elle-même reconnaît au président de la République de veiller au bon fonctionnement des institutions, regardez bien, oui. Et ces institutions-là, c'est encore la Constitution qui les organise et les encadre juridiquement. Le président n'a pas violé l'esprit de la Constitution. Le président a violé la lettre de la Constitution, mais il n'a pas violé l'esprit de la Constitution. Maintenant, c'est quoi l'esprit de la Constitution? L'esprit de la Constitution, c'est l'orientation, c'est la direction, c'est la vision juridique. C'est la vision juridique qui reflète une certaine conception de la société haïtienne. C'est ça l'esprit de la Constitution. L'esprit de la Constitution, c'est ça qui dit, mais en gros, qui sa vision société, qui sa nous voulait pour société haïtienne. Maintenant, ça y est, on voulait pour société haïtienne. C'est une société qui fonctionne normalement, une société qui est stable, une société qui marche bien. Ça, c'est l'esprit de la Constitution. Mais cependant, dans la lettre, c'est-à-dire la codification, dans la lettre ne doit pas refléter l'idée, l'esprit en bien. C'est-à-dire, au niveau de la lettre, il doit y avoir des dérives qui fait. Maintenant, pour le gros problème entre en dissension entre l'esprit de la Constitution et la lettre, la seule instance qui est habilitée pour résoudre le problème, ça, parce que c'est un problème d'interprétation et exégétique qui posait, la seule institution qui est habilitée pour résoudre le problème, ça, c'est ce qu'on appelle la Cour constitutionnelle. Or, dans notre cas, puisque la Constitution a déjà prévu ce qu'on appelle une instance qui aurait la Cour constitutionnelle qui chargée pour exercer ce qu'on appelle le contrôle de constitutionnalité sur les actes des instances politiques, maintenant, c'est-à-dire la conformité des décrets, la conformité des lois, pour conformer à la Constitution. Maintenant, puisqu'il y a un vide juridique en ce qu'il y a trait à la Cour constitutionnelle qui est prévue par la Constitution, puisque pas une Cour constitutionnelle qui est chargée pour veiller sur la Constitution et qui est chargée aussi pour interpréter la Constitution, qui problème qui posait là? Un gros problème majeur qui posait. C'est-à-dire que maintenant, ce vide juridique, le président de la République s'arroge maintenant le droit d'exercer le pouvoir qui est réservé, bien entendu, à la Cour constitutionnelle. Et c'est ça, monsieur fait là. Et c'est ça, nous adaptons des Doré, nous adaptons des Libéris, si c'est conseiller président. C'est sous ça, aujourd'hui, puisqu'on est en période de crise, et puisque cette période de crise mettez-nous dans une situation, nous échapper, pour nous échapper à la normalité, pour nous venir dans l'ordre constitutionnel, pour retourner à l'ordre constitutionnel, il a choisi sortir de l'ordre constitutionnel. Mais attention, c'est un gros problème qui a. Au lieu le président de la République, normalement, il y a une situation, il y a un problème comme ça, qui pose journée aujourd'hui avec décret président sorti là. C'est pas l'ambassade américaine qui était pour dire président de la République en suspend publier décret, non. Attention, ce n'est pas job ambassade américaine, non.
qui te pour dire l'exécutif, faut le faire sur soi, sur question, publier et décrire, non? C'est la cour, c'est la cour constitutionnelle, oui, t'es un job ça. Et c'est une raison qui fait haïtien tellement coquin. Haïtien tellement coquin, pas jamais yon moun en dedans pays qui décide pour yon mettre yon cour constitutionnelle sous pied en dedans pays, malgré constitution prescrite. Mais yon tellement intelligent, le président de la République tellement intelligent, au lieu que yon travail pour yon mettre yon cour constitutionnel sous pied en dedans pays, yon préféré mettre yon cour yon conseil électoral provisoire. Ou un problème? C'est-à-dire que vraie racine problème nan, qui pour ta résoudre problème nan, c'était la cour constitutionnelle si yon te mette la place. Parce que qu'on y a né li bay condition pour yon saisir la cour constitutionnelle. La cour constitutionnelle qu'on y a li même, li ta pral statue, li ta pral pencher sous dossier et puis pour le dicte, pour l'interpréter, pour le faire ça, ou l'on exégèse juridique, pour le dire, mais qui ça doit, mais qui ça l'esprit loyer, mais qui ça l'esprit constitution, mais comment vous comprenez, et puis date cette même genre, ou en France, il y aurait le conseil constitutionnel, même genre, ou aux États-Unis, il y aurait le conseil la Cour suprême. Non? En Haïti, nous ne parlons pas ça. En Haïti, nous avons tellement, mesdames, nous avons tellement, mesdames, nous n'avons pas besoin de cour constitutionnel. Là. Et c'est non, mesdames, non, je veux mesdames, entre nous, nous tellement faire loi, nous pas respecter loi, ou nous fait pas, nous pas mettre institution en place, qui fait nous tomber dans crise aujourd'hui là. Et y a une raison qui fait dans des nèg après les dictatures. Depuis 2019, on dit faites attention mes chers amis, on analyse juridique, on analyse politique, on dit d'après les directement doucement dans dictature. Gen qui dit oh, non mon cher, ou pas connait tellement nèg là, tellement yo bizarre, haïtien bizarre. On dit petit à petit d'après dans dictature. M'identifier les éléments majeurs qui pour mener nous dans dictature ça. Parce que pour qu'il y ait dictature, il faut que l'exécutif échappe à toute forme de contrôle. Depuis l'exécutif a échappé à tout contrôle, ou tombe automatiquement dans la dictature. Pas de menti la donne. Depuis pas de contrôle, que ce soit contrôle parlementaire, que ce soit contrôle juridictionnel, que ce soit contrôle politique et même contrôle médiatique sur l'exécutif, automatiquement va tomber dans ce qu'on appelle une dictature. Parce que dictature, là, c'est ça lié. C'est le fait que l'exécutif, le pouvoir exécutif, a exercé pouvoir li sans que li pa gagne pièce organe de contrôle. Et en démocratie, le contrôle est essentiel pour la survie et le bien et la santé de la démocratie. Parce que sinon, le pouvoir a tendance toujours à abuser. N'importe qui prend pouvoir a tendance toujours à abuser. En Haïti, nous réduit la démocratie avec une question d'élection. Et pourtant, c'est faux. La démocratie n'est pas une question d'élection. La démocratie ne se résume pas à une question d'élection. La démocratie, c'est un système de gouvernement. Pour qu'il y ait l'élément pilier fondamental de la démocratie, c'est le citoyen. C'est l'élément fondamental. Si le citoyen, c'est pour ça que toute constitution actuellement lui consacre ce qu'on appelle la liberté individuelle. Parce que la garantie même d'une constitution de la démocratie, c'est l'existence même du citoyen. Ok? C'est citoyen qui pour al voter. Attendez, si pas gen citoyen, pas gen vote. Parce que en dictature, pas gen élection. C'est sujet. En royauté, tout laisser monarchie, c'est sujet. Pas gen question élection. Excepté en monarchie, que nous gagnons monarchie républicaine, nous gagnons en Angleterre. Côté que la reine a joué un rôle honorifique seulement. Symbolique. Maintenant, il faut comprendre que l'enjeu est de taille ici. Maintenant, comment on peut dire qu'on peut faire élection? Ça veut dire élection, ça qu'on peut faire là, on va faire juste pour le nom de la démocratie. Et si on fait pour le nom de la démocratie seulement, on tombe dans ce qu'on appelle une démocratie formelle. Sans qu'on ne considère les éléments, les acteurs de la vie sociale, de la vie nationale. Si les acteurs politiques de la vie nationale ne sont pas impliqués dans un consensus pour permettre, pour faciliter ce qu'on appelle, là, ma pose un problème de stabilité, oui. M'te pose un problème de normalité, ya. D'abord, c'est-à-dire qu'il y a un rapport à l'ordre juridique, normalité, comment on résout le problème à travers le droit, c'est là, qu'on a ma pose un problème de stabilité. C'est-à-dire, du moment que vous tombez dans une situation pour retourner à la normalité, ou sortir dans la normalité, ou sortir dans le droit, pour retourner dans la normalité, ou faire appel, ou utiliser gros points et tout, parce qu'on n'est pas dans la démocratie, pas aucun organe de contrôle qui a exercé contrôle sur comportement exécutif. Là. C'est ça que l'exécutif a fait décret, j'enlève le métabli, pour retourner dans la normalité. Maintenant, le problème qui se pose,
li pral créer encore yon instabilité politique. Ça veut dire. Puisque ou pas ou non période de crise. Nous avons cette culture en Haïti. En période de crise, c'est la façon pour nous résoudre problème période de crise nous en Haïti, c'est pas accord politique. C'est accord, c'est-à-dire dans un cadre pour accord au fait, il faut que les acteurs de la vie politique, les acteurs de la vie nationale yo impliqués. C'est-à-dire bon volonté manifeste bon côté yo pour yo impliquer davantage dans processus pour yo joindre accord ça. C'est-à-dire tout secteur en dedans la vie nationale là doit mettre tête ensemble pour joindre accord politique ça pour retourner à la normalité en période de crise. Et c'est ça que yo parler de dialogue, yo parler de consensus, yo parler de conciliation, yo parler de démarche consensuelle. Ça nous parle que problème ça yo. On prend ou parle problème ça yo. Que aux États-Unis avec les grandes démocraties, ils résolvent problèmes. Pour comment ils résolvent problèmes? Parce que ils mettent des mécanismes juridiques de résolution de conflits, ce qui n'existe pas dans le droit haïtien. Nous n'avons pas des mécanismes juridiques de résolution de conflits ni de gestion de crise politique. Nous pas gagné en Haïti. Aux États-Unis, nous avons la Cour suprême. Les grandes élections qui fait entre Al Gore avec Bush. Yo contesté l'élection, Al Gore contesté là devant la Cour supérieure aux États-Unis, là devant la Cour suprême aux États-Unis, la Cour suprême a tranché en faveur de George Bush et puis automatiquement problème n'a résout pas de problème, pas de crise électorale, pas de caca comme ça. En France aussi, lorsqu'il y a un problème au niveau électoral, crise électorale, la poule pas déboucher sur une crise politique, la seule chose que n'ego fait, qui ça n'ego fait? Sans qui ça n'a pas couru fait, yo couru al devant la, le Conseil constitutionnel en France, de façon à ce que le Conseil constitutionnel se prononce sur la crise. C'est-à-dire, non seulement crise là, le Conseil constitutionnel pral prend décision sous lui, il pral prononcer, et il dit nature crise là, il définit nature crise là, et puis il baille, advise, il dit mes solutions, et solution vient de force de droit. C'est-à-dire, il y a un mécanisme juridique qui l'a pour résoudre le problème. Mais en Haïti, nous tellement coquins. Premier bagaille président de la République fait, on dit nous ça déjà, qui fait nous pas le tomber. Dans le pays, nous pas le tomber dans courir ça. OK. Qui fait le pas le tomber dans courir ça? C'est la monsieur, t'as supposé faire élection, pas faire élection législative. Raison qui fait monsieur pas faire élection législative parce que le connaît que c'est une seule instance qui habilité pour destituer lui en tant que président en dedans pays d'Haïti. Qui te ka destitué juridiquement parlant. Oui. M'a parlé de destitution par la force coup d'état. C'est là. M'a parlé de juridiquement parlant. Yon seule instance que constitution reconnaît qui ka destitué le président de la République, c'est ce qu'on appelle la haute cour de justice. La haute cour de justice, constitution by provision, mais comment elle doit faire? Il définit les prescrits, les conditions suivant lesquelles pour que le Sénat s'érige en haute cour de justice en cas de violation de la constitution. C'est-à-dire lorsque le président de la République viole la constitution du pays, et puis il a constaté ça, la Chambre des députés saisit, prend dossier ça, yo fait yo vient ériger tête en juge d'instruction, yo instruit dossier auprès de la du Sénat qui érige tête en haute cour de justice et puis yo jugé président de la République automatiquement yo destitué si yo je non vote favorable yo destitué président de la République. Ça c'est seulement sa constitution prévoit, mais mécanisme constitution prévoit pour mettre un président en Haïti. M'a parlé de juridiquement parlant, mais dans les faits ou ka utiliser l'autre moyen pour vider missiaté et là de ka bay coup d'état. Ou ka pren zamame, ou ka rebelle, m'a parlé juridiquement. C'est-à-dire, m'a fait philosophie ailleurs, m'a parlé entre le droit et le fait, comment les choses. Ça veut dire, si le président de la République a violé la Constitution, maintenant, monsieur connaît bien par un parlement qui pour ta ériger en haute cour de justice, pour ta mettre le dehors, c'est-à-dire, monsieur étant éliminé toute menace qui t'a supposé sur lui. Le président de la République, là où elle pas fait élection législative, là, c'est échapper à ce qu'on appelle le contrôle parlementaire. Le contrôle parlementaire, il y a deux contrôles qui fait. Il y a un contrôle politique qui fait. Contrôle politique, premier contrôle politique, là, il fait de deux façons. Il y a un contrôle politique, il y a un contrôle juridictionnel. Contrôle financier, il fait contrôle financier, c'est-à-dire que lorsque le Parlement a voté loi de finance, c'est-à-dire loi de budget de l'État, ça, son contrôle financier. C'est lui qui décide qui côté pour jeune le plus l'argent, qui côté pas de jeune plus l'argent, exécutif ou pas d'adjoint d'État. Bon, l'autre contrôle que le Parlement exerce, qui est le contrôle politique. Le contrôle politique, c'est ce que le gouvernement,
C'est-à-dire, lorsque le gouvernement de la République lui déclare le premier ministre lui-même, ou quand c'est un exécutif bicéphale nous qui gagne de tête, le chef du gouvernement dans la déclaration politique générale, il est venu devant le Parlement, par la ballon vote de censure, ou bien en motion de censure, ou bien en motion de ratifier, automatiquement, ça y a fait là, à ce niveau-là, il doit ballon vote de censure, depuis le ballon vote de censure, automatiquement, le gouvernement est tombé. Il faut remettre l'autre gouvernement sous pied. Maintenant, président de la République, tellement l'exécutif a besoin d'échapper à contrôle parlementaire, ça y est. Le troisième contrôle que le Parlement a exercé, que aurait le contrôle juridictionnel. Contrôle juridictionnel, là, c'est le Parlement qui érige tête, le Sénat qui érige tête en haute cour de justice pour juger le président de la République. C'est seule instance qui habilité pour juger le président de la République, c'est le Sénat de la République, d'après la Constitution, qui pour ériger tête en haute cour de justice. Pour le statuer. Et le bail, les cas, les conditions suivant lesquelles. Et c'est ça que Gariboudou t'a fait. Gariboudou t'a tenté fait. Et puis le crase, il lance, qui fait dossier à pas arriver dans le Sénat de la République. Et bien, le président de la République, là, il comprend maintenant qui ça le fait. Pour échapper à contrôle parlementaire, là. Ça le fait, il quitte l'élection, pas fait. Et puis il prononce ce cas du cité parlement. Au lieu, il quitte 50e arrivée à terme. Et puis il prononce ce et puis il dit au caduc. Automatiquement qu'on n'y a pas de parlement encore qui pour exercer contrôle sur l'exécutif. Elle veut dire là, il maîtrise le dossier parlementaire. Contrôle parlementaire, zéro. Il retire ça. Mais quand on a un deuxième contrôle qui pour exercer sur le président de la République, là. L'exécutif en deux. C'est ce qu'on appelle le contrôle juridictionnel. C'est-à-dire, contrôle juridictionnel, là, en d'autres termes, ce n'est pas contrôle juridictionnel qui a un rapport avec votre coup de justice là, qui inscrit en dedans contrôle parlementaire. Là, non. Non. C'est ce qu'on appelle le contrôle des juridictions, la justice. Maintenant, qui s'est passé? La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, lui doit bah la ville son série de dossiers, de projets. Elle a dit, si le président de la République a des projets, l'exécutif a des projets, le gouvernement a des projets, il faut le soumettre auprès de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour bah, des avis favorables qui vous permettent à ce que le projet soit arrivé à terme. Et c'est ça qui te parle. Expliquez ça dans le contrat, question courant. Président Tabay qui fait des litiges ou un nègre a prêté 10 doigts. Président Camp, il a prêté 10 doigts. Cour supérieur des comptes du contentieux administratif. C'est ça qui explique le rapport Petro-Caribe, Otsotio. Là, il dit contrôle juridictionnel. La président, bat pour discréditer. Elle mettait en place ce qu'on appelle, en termes de communication, guichet doré. Si M. Sao, elle mettait dans la radio, dans la télévision, pour M. Sao capable de discréditer le travail. Cour supérieur des comptes et du contentieux administratif. Maintenant, c'est ça qu'a expliqué la journée aujourd'hui. Hein? Président qui mettait conseil électoral provisoire, ça a pris un décret, mettait conseil électoral provisoire là. Et puis, non seulement le conseil électoral provisoire là, il baille ce qu'on appelle le conseil électoral provisoire, mission pour le faire, pour l'organiser non seulement l'élection, mais pour le doter pays à des constitutions. C'est un gros cause pour ne pas avoir référendaire. C'est un gros cause président faire. C'est un gros bagaille. Pas aucun côté qui prescrit. Dans la Constitution, monsieur doit faire pareil comme ça. C'est-à-dire que monsieur a fonctionné hors de la Constitution. Monsieur met la Constitution à l'écart. Maintenant, le problème qui se pose, c'est qui compte le président jeune pouvoir ça? Tout pouvoir au président doit gagner. La Constitution dit dans l'article 150, il dit le président ne peut pas avoir d'autre attribution que celui que celle qui lui est reconnue par la Constitution. Si c'est Constitution, et Constitution dit, mais comment pour y mettre un conseil électoral permanent. Constitution by provision pour yon mette yon conseil électoral permanent. Elle te by provision une seule fois pour yon te mette, pour yon te faire un conseil constitution, un conseil et provisoire. Maintenant, on réfléchit une seconde. Si je ne le dis pas, n'est-ce que avec le président, si monsieur président vini avec argument, comme si yon t'a dit non, nous pas parler, yon pas parler de conseil permanent, yon parler de conseil provisoire. Tande bien, oui. Conseil électoral provisoire. Maintenant, côté président joue un pouvoir pour le faire ça. Et puis il fait sous forme de décret. C'est-à-dire, le président a décrété. Un décret que monsieur prend, il n'a pas inscrit dans quatre attributions que la Constitution balise. Parce qu'il n'a pas fait partie. Seul décret pour le président a pris là, pour le mettre en place, c'est un conseil électoral permanent que la Constitution balise. Mais conseil électoral provisoire, il n'a pas une provision légale constitutionnelle pour le faire. Ça veut dire déjà le violer la Constitution. Dans la lettre. Dans la lettre, oui. Il viole dans la lettre. Et c'est ça d'expliquer que je ne dis là. Et même les messieurs entrent dans la coutume, dans la coutume, dans la tradition, j'ai noté qu'on fait avec le conseil électoral provisoire. Attendez, oui. Maintenant, ou bal, ou bal yon bagay. Attendez, oui. Ou
bali yon mou on pouvoir ou ba étendre ou même encore président de la République, fait très attention ça me bal dire, ou bay ou mettre en place une institution qui est le conseil électoral provisoire normalement qui pas gagne aucune base juridique et constitutionnelle et pour bal pouvoir pour l'établir pour la faire référendum pour remettre en l'autre constitution. Ça veut dire à la base fondement déjà pas bon. Fondement, c'est-à-dire base là n'était pas bon. La base là était contestée en dedans pays. Attendez bien ça m'a dit. En pile monde qui doit pas fonctionner ça m'a dit. Constitution au pays c'est un contrat lié. C'est un contrat entre le peuple et l'État. Là me dit le peuple est le détenteur de la souveraineté nationale. Chaque grand citoyen doit aller voter al di accord avec référendum là yo d'accord constitution ça c'est un contrat, c'est-à-dire modèle l'état ça, modèle organisation constitution ça, modèle vision ça, organisation que constitution ça dit nous mais qui l'état livré en dedans pays yo pas de problème avec. OK, mais problème qui gagne c'est que c'est seulement les gon révolution ou bien gon gros problème en dedans société haïtienne là groupe intérêt à bataille période griffe à tirer. C'est pour yon sorti dans période de crise, ça, c'est-à-dire l'État faillit, pas l'État dit tout, institution démembrée, l'État, et puis, nan révolte la qui fait contre l'État. T'aimerais dire ça, me dit encore bien pour moi. Pour nan toutes circonstances, pour arriver, mettez-yon l'autre constitution en dedans pays d'Haïti, non pays, c'est soit non période révolutionnaire, yon chambade yon régime. Et puis qu'on y a nous vini chita en France, aux États-Unis, bagay ou sorti non ordre des choses. Puisqu'on a sorti non ordre des choses ça parce que ordre des choses ça pas ba résultat, ordre juridique ça pas ba résultat, ordre établi ça pas ba résultat, ordre politique ça pas ba résultat, nous décide puis c'est créer crise, nous décide utiliser la force, la violence, ceci cela, à partir de là nous chambardel et puis nous mettre tête nous ensemble pour nous accoucher un nouvel ordre politique, social et juridique. Que constitution pral élaborer pral refléter. Maintenant, l'arrivée dans dimension ça, c'est qu'on reconnaître que premier ordre là pas bon. En d'autres termes, le président de la République pas qu'à proposer une nouvelle constitution, attendez oui, s'il pas bon bagaille derrière de Mali. Ça me le dit pas là, et là on va parler de l'esprit de la constitution. Là on va parler de l'esprit de la constitution. Faites attention à ça me va dire. Là ici, les initiatives sorties de la part du président de la République pour proposer une constitution, c'est que lui reconnaître que constitution qui gère la journée aujourd'hui, que la fonction est sous lien. Attendez, oui, la fonction est sous lien, lui reconnaître qu'elle pas bon. Lui reconnaître qu'il y a des failles. Lui reconnaître qu'elle pas en faveur. Mais le plus souvent, faut faire très attention. C'est ça fait nous pas gardien de la constitution. Nous pas qu'à mettre une constitution dans le pays et puis sans nous pas mettre ça relais cours constitutionnel qui pour veiller sous lui. Et c'est là où on a plus gros problème qui gagne actuellement là. Où on a des nègres qui parlent de crise politique bullshit. C'est parce que tout nègre met dame. Tout nègre gère à faire intérêt. Et c'est ça fait blanc toujours dicter nous. Parce que nous pas respecter l'institution. Comment vous voulez mettre une constitution sous pied? Ou fin de faire constitution 1987 et puis deuxième bagage ou t'es supposé faire pour mettre sous pied son conseil constitutionnel ou bien un cours constitutionnel qui habilité pour veiller à sous constitution ça. Non, nous pas d'accord. Nous tellement madame, nous tellement intelligents, nous tellement vicieux, nous tellement malins, nous pas d'accord. Et après journée jeudi jusqu'à maintenant, constitution ça a gagné 30 ans depuis 30, plus de 30 ans depuis sous pied. Ni pas un cours constitutionnel qui pour veiller légal qui pour veiller sous lui. Pour qui les gens veulent nous mettre dame, tout nèg veut violer constitution. Tout nèg veut faire mettre dame avec elle. Tout nèg veut jouer sous lui. C'est ça que nous pas mettre garant pour lui, nous pas mettre et contrôle pour lui, nous pas mettre monde qui pour veiller sous lui. Nous pas mettre aucune instance qui pour veiller sous lui. Or constitution prévoit instance qui pour veiller sous lui. Mais nous même nous tellement intelligents, nous tellement mettre dame, nous tellement dans coquin, y en a clôt. Et c'est ça fait nous pas vouloir, c'est ça. Et fait nous pas jamais ce qu'on appelle stabilité, n'a toujours tombé dans crise, n'a toujours tombé dans accord politique, n'a toujours tombé dans consensus, n'a toujours tombé dans madame, n'a toujours dit oh tel pas le chita, et tel pas le nous pas le venir sous table négociation, nous toujours et puis blab toujours dicter nous parce que nous madame. Nous madame, nous audacieux, nous connaît bien pour qui raison nous pas vouloir. C'est ça l'esprit en y. Parce que nous te dit qu'on est que baïonnette c'est fait, constitution c'est papier. Depuis baïonnette c'est fait, constitution c'est papier.
Depuis Bayonet, c'est fait. Constitution, c'est papier. Ça veut dire constitution qu'a chiré à n'importe quel moment. Ou bien nous avons utilisé Bayonet là pour nous casse-cou, pour nous chirer constitution. Effectivement, qui est-ce qui charge pour ta veille sous constitution? Ou donne tout le temps à parler. Ou donne tout le temps à parler. Vire tout le temps. Chaque matin, on a vu dire oh, président de la République viole la constitution. Président de la République viole la constitution. Président de la République viole la constitution. D'après qui est-ce? Qui est-ce qui est habilité dans le pays d'Haïti pour dire que le président de la République viole la constitution? Nous te mettons un coup constitutionnel sous pied qui pour dire ça. Nous te mettons, nous tellement nous coquons, nous pas mettre. Nous pas mettre, nous tellement mettre d'âme, nous pas mettre. Qu'on y a tout nègre dans le président viole la constitution. Oui, président viole la constitution pays. Oui, président viole la constitution pays. Oui, président viole, et pas président seulement viole, non. Ce sont les pratiques juridiques même, oui, qui ont violé la constitution pays d'Haïti. Même face au point parlement fonctionnel viole la constitution pays. Maintenant, il y a monté conseil constitutionnel, ça, il viole la constitution pays. Maintenant, qui est-ce qui t'est habilité? Qui ça qui peut, qui mécanisme nous te mettre en place juridique qui charge pour exercer contrôle, pour empêcher de violer la constitution pays? Zéro. C'est la cour constitutionnelle là nous retirer. Tellement nous voulons faire mettre dame avec elle. Tellement nous voulons faire mettre dame avec elle. Maintenant, on suit plus loin, on arrive plus loin. Pour nous comprendre le game. Parce que c'est un gros jeu de tabou là. La République, nous clés sur l'île, viole la constitution pays. Mais le président de la République connaît bien par le conseil constitutionnel. Et deuxièmement, il connaît bien que cours de justice n'a pas existé. Votre cours de justice n'a pas existé. C'est-à-dire parce que le crasé par le Sénat. Pas de Sénat qui peut ériger, pas de Parlement qui peut ériger. Pour mettre une dictature en place, quand on fait premier bagage ou fait, ou craser tout obstacle qui sort, oui. Ou craser tout obstacle qui sort, oui. Premier obstacle, président Jovenel, craser qui te sort, oui. C'est le Parlement qui craser. Et il compte pour qui raison craser, parce que c'est le Parlement qui est à ériger, tête en haute cour de justice pour vider, pour destituer M. Sil viole la constitution. Qu'on n'a pas de Parlement, c'est normal pour ne pas violer la constitution, j'en veux. Qui est-ce qui a destitué Jovenel là? Constitution te dit, mais comment pour destituer un président? Comment on va faire destituer? Nous reconnaître qu'elle viole la constitution. Comment on va faire destituer? Juridiquement parlant, en laisse que, ou utilisons l'autre moyen qui par légal, qui par juridique, pour vider M. à terre. Et nèg pa gen grain pou yo fè. Et c'est ça me dit toujours après proche nèg opposition. Nèg opposition pa gen grain nan moun pou yo prend pou yo vide misye a terre malgré viole constitution. Vire tout nou tande après les oh misye viole constitution. Eh mais là on moun viole on bagage. Là on moun viole la loi. Tande dans pays. Mwen konn se devan la justice la vèl. Kote justice constitutionnelle là. Et voilà. Konn y a président viole constitution. Nous avons des juridictions constitutionnelles pour nous laver. Nous ne pas laver. Pour qui raison? Parce que nous avons des dames. Nous audacieux, je nous cherche. Parce que le problème qui vient, c'est que l'opposition a besoin de vivre dans la transition pour la prendre pouvoir. Mais l'opposition n'a pas intérêt pour des coups constitutionnels. Tellement le met dedans. Si on a le coquin qui a joué de coquin. Et blanc tellement qu'on est ce coquin a joué. Blanc tellement très coquin, après faire l'or et blanc fouille bouche dans causé, dans des nèg avin. Pas qui peut tout son pile bleu fait qui en bas. Son pile bleu. Et attends, ouais pays d'Haïti. Nous dit nous ça, m'a dit nous ça jodi là. Ouais nous même dans bébé 19, après nous pas on veut entrer dans système là. Parce que nèg yo méchant yo criminel. C'est pas gars gangster qu'a régler là. Pas gars qui respecte la loi vraie, pas gars qui respecte l'ordre des choses. Tout ces bluff. Et nous avons cette culture politique depuis 1806 en dedans pays d'Haïti. Depuis que l'empereur de Saline t'a incarné l'unité nationale, l'autorité, l'empereur de Saline t'a incarné, nous fout tiel. Nous tiel, monsieur, ça veut dire nous tiel l'esprit de révolution, de la révolution haïtienne, nous tiel l'enjeu. Ça veut dire qui sont pensés des bons haïtiens pour le produit. Depuis les assez, coup d'état, nous avons cette culture. C'est par la force nous résout le problème. Nous pas culture juridique. Nous ne respectons pas les normes. Nous ne respectons pas le droit. C'est ça que nous pas prévoir des mécanismes juridiques pour nous résoudre des conflits, pour nous résoudre des problèmes entre nous. Nous pas reconnaître ça. Au delà de ça, le droit, c'est un système qui est là pour réguler rapport entre dans la société.
Maintenant, il y a un problème dedans. Côté le droit, pour qui ça le droit ne se prononce pas? C'est parce que nous connaissons, nous ne pouvons pas faire provision pour ça. Nous, toutes ces maîtres d'âme, haïtiens toujours à battre pour fonctionner dans le désordre. Haïtiens puis à l'aise pour fonctionner dans le désordre. Haïtiens, c'est dans la période de crise li, à l'aise. C'est dans la période de désordre li, à l'aise. C'est les guébris à l'aise. C'est ça nous aimer, c'est notre culture. C'est notre culture. C'est une culture politique nous gagne. C'est un problème de mentalité lié. C'est un gros problème de mentalité. Et c'est ça fait là, on a parlé de, pour nous, on est dans bébé, juste on a nous dit, il faut nous combattre vieille mentalité, ça. Haïtien, de pour papa, et pour papa, et Haïtien, relon, n'est qui vole l'intelligent. N'est qu'à vole l'allié, ou on défaillance morale, n'est qu'à vole l'intelligent. Tout n'est, bon n'est qui campé dans figu, il dit, tout n'est qui l'a crasé l'argent pétro caribé, c'est intelligent, oui. N'est qu'à campé dans figu, il dit, débouer nèg qui crase l'argent pétro-caribéen, c'est intelligent. Ou en société. Maintenant qu'on a pas vinn dit mon ça que journée aujourd'hui a tout monde après les président violer constitution, jeudi dans sorti dans ordre dans cadre constitution. Depuis date président ça sorti dans cadre constitution. Date la sorti dans cadre constitution. Date la quitter ordre juridictionnel, ordre juridique là pour faire affaire parle. Date la faire. Qu'on y a là il fin créer crise li, le président de la République fin créer crise li. Tendez, il pas fait accord politique, il pas fait consensus, il pas chita avec nèg yo, là chita avec parce que bon agenda. Là chita avec nèg yo, rouler nèg yo dans farine, li rouler tout secteur de la société haïtienne dans la farine, li rouler tout monde dans farine, quand fin rouler dans farine, li dit c'est yo pas veut chita pour faire négociation. Quand les négociations fin échouer, li fin craser ou qu'on a fait qu'on a dirigé par décret, dirigé par la force. Qu'on a qui se va le faire? Qui soit pas le faire, wap chita non corne plein rien crier et puis li appuyer sur monsieur Leblanc, li dit monsieur Leblanc c'est normalité a, li besoin retourner dans la normalité, li pral faire élection, li pral ceci, depuis temps li pral prendre contrôle ça ou les appareils électoraux là pour de quoi pour le kabay PHTK pouvoir encore. Pour le PHTK pouvoir encore. Son jeu qu'a fait. Maintenant le droit, qui wole le droit? Le droit c'est une représentation. Le droit fait partie de la superstructure. Ça fait une analyse marxiste de situation. Le droit fait ce qu'on appelle le droit, c'est l'expression du certain ordre des choses. Le droit, c'est ça, le droit, c'est l'expression du certain ordre des choses. Lorsque les transformations socio-économiques dans le pays ont bouleversé, ont changé, il y a un changement, une transformation socio-économique, le droit doit s'adapter à cette nouvelle réalité. Parce que la réalité est changeante, mais le droit est statique. Alors c'est au droit de s'adapter à la réalité, parce que la réalité est changeante. C'est ça le fait. Le fait bouscule le droit. Et nèg yo tellement intelligent, yo créé des circonstances pour yo ka bousculer le droit. Parce que la normalité, ce que nous relè normalité, le droit ça pas ka existe bien entendu pour kimbe les faits tels qu'il est. Les faits yo pas d'accord, faits yo pété caca. La réalité en tant que telle yo pété, li pété pain, tintin, c'est-à-dire les acteurs, ça mre les faits, ça mre les réalités. C'est comportement acteur nous yo qui met dame celle comme ça qui réalité a qui fait. C'est-à-dire puisque réalité nous pas veut garder dans du que nous coquins. Qui ça qui réalité a? C'est que les haïtiens sont coquins, les haïtiens sont mesdames, les haïtiens sont audacieux, les haïtiens sont je cherche. C'est parce que nous coquins, son réalité ni c'est un fait, c'est ça ou un fait. C'est parce que nous coquins, nous mesdames, nous audacieux, nous je cherche, nous voler. Les nous est bien, nous est le mal, les nous est mal, nous est le bien. C'est ça fait les vient avec le droit devant nous. Qui ça nous fait? Nous bousculer les doigts, nous mettre le sous-côté, nous les constitutions papier. Nous plus quoi dans les manchettes, nous plus quoi dans le bail coup de poudre, nous plus quoi dans les zombies, nous plus quoi dans résoudre les problèmes noirs, nous plus quoi t'es mal dans mon nom pour vous, nous plus quoi t'es mal en dehors pour nous résoudre les problèmes. Nous pas j'en quoi dans l'institution judiciaire, c'est ça le problème, nous pas quoi dans le droit, nous quoi dans résoudre les problèmes pour contre nous. La fait nous toujours tomber dans crise. Là nous tomber dans crise nèg là nous comme ça nous pas faire des choucages, l'autre pays blocage. C'est parce que nous mesdames, nous pas respecter procédure, nous pas respecter processus, nous pas respecter les normes, nous pas respecter le droit. Le droit pas aucune importance pour haïtien. Haïtien pas respecter droit du tout. Depuis droit pas mon pour lui, il fout lui de côté. Et c'est le comportement même de l'exécutif. Premier bagage, il fait le foot parlement dehors. Le président arrive sous parlement,
li constate kadisite parlement. Ndi monsieur, mais qui on poste, ndi monsieur, faites attention. Nous sous chemin de dictature. Y'en a qui dit, ah, menti, mon cher. Ndi monsieur, nous sous chemin de dictature. Gena qui confond dictature, c'est les wap krasé, c'est les le président de la République vinil prend, l'a détruit vie moun. Non! Dictature, vous le dit, qui dicte? Un seul homme qui dicte les normes. Un seul homme qui dicte les normes. C'est-à-dire, le pouvoir est concentré entre les mains d'un seul homme. C'est ça la dictature. C'est peut-être ça que Montesquieu te connaît bien pour n'être pas concentré tout le pouvoir parce que le pouvoir corrompt. Là, on parle de pouvoir corrompt. Pourquoi ça veut dire le pouvoir corrompt? En philosophie juridique, en monde, philosophie politique et juridique, en monde, pas comprendre. Là, on dit le pouvoir corrompt. Le pouvoir en tant que tel, c'est bagay qui pi noble qui te ka gagné. C'est principe qui pi belle qui te ka gagné. Lorsque le pouvoir est au service de la société. Le pouvoir doit être au service de la société, doit être organisé de façon à assurer la stabilité sociale, la paix sociale, à garantir la paix sociale en réunion aux sociétés. C'est la philosophie même du pouvoir. Qui les pouvoirs corrompt? Lorsque le pouvoir est utilisé à des fins autres que celui de la paix, que celui d'assurer la survie de la population. Depuis pouvoir utilisé dans l'intérêt de satisfaire des désirs mesquins, des intérêts mesquins, le pouvoir est corrompu. Le pouvoir doit être au service de la collectivité, de l'intérêt général. C'est ça le pouvoir. Mais du moment que le pouvoir c'est à faire un groupe, à faire un clan, qu'à régler. Là, le pouvoir est corrompu. Et c'est ça le problème, c'est ça Montesquieu. C'est ça que Montesquieu dit, pour définir démocratie, il dit comme ça, il faut que le pouvoir, ça arrête le pouvoir. C'est ce qu'on appelle dans l'esprit des lois. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Parce que seule façon pour gagner la loi, le droit, le pouvoir, c'est lui qui prononce le droit. Mais il faut que pour que le pouvoir prononce le droit, il faut que le droit organise le pouvoir. Cette dialectique est importante. Pour que le pouvoir édicte le droit, il faut que le droit lui-même organise le pouvoir. Parce que il faut que le droit encadre le pouvoir, parce que le pouvoir là qu'a débordé à n'importe quel moment. Et c'est ça que Négo est venu, la séparation des pouvoirs, la séparation des droits-pouvoirs, le pouvoir de légiférer, le pouvoir d'exécuter et le pouvoir de contrôle juridictionnel. C'est ça les trois branches du pouvoir. Yo séparé, yo disséqué pouvoir en trois branches, de quoi pour pas concentrer dans mes seul nèg. Mais gardez bien ça Jovenel a fait. Jovenel qui a retiré pouvoir, légiférer dans mes parlement, li prendre dans mes qu'on a dirigé par décret. Qu'on a commencé à attaquer cour supérieur des comptes, li commencé à attaquer troisième pouvoir qui c'est cour de cassation. En dessous la cour de cassation. En dessous pour nous, c'est pas dictature pour tomber là. Et ben non mit dans dictature. Deuxième bagarre monsieur prend contrôle média yo. Ou pas, il y a Louko qui travaille pour lui, il y a Scoop qui travaille, contrôle politique là, il y a un gang. Qu'on y a pas dans la dictature, qu'on y a dans la démocratie encore. Et pour justifier la dictature, ça, il dit blanc comme ça que, oh, c'est élection bien fait pour institution qui a remarché normal. Faut pas la passer dans la grande. Faut pas étudier, dit tout, il y a un minimum pour comprendre la game, mon cher. Et ça, bon, ce que je dis, c'est le pouvoir qui a corrompu là. C'est la corruption du pouvoir qui n'a pas cité là. Parce qu'il y a une tentative de la concentration du pouvoir entre les mains de seul homme. Et ça, oui, dictature là, c'est sa corruption là, oui. Et c'est ça que monsieur Montesquieu t'a prescrit, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Maintenant, qui est-ce qui pouvoir qui a arrêté Jovenel là? Qui pouvoir qui a arrêté Jovenel dans sa affaire? Qui pouvoir qui a arrêté Jovenel? Pas de pouvoir t'arrêter. Parlement qui peut t'arrêter, monsieur. Parlement pas là. Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, les copains dans les médias, les menacent. Cour de cassation, les copains dans les médias, les vont l'attaquer. Qui s'est arrêté, Jovenel, dans l'élan le bras là, dans l'élan dictatorial là. Bon, d'ailleurs, il y a appui blanc, quand vous voyez, n'est-ce pas? Et puis, on a parlé de démocratie. Pour yon réduit démocratie avec question, élection. Puisque yon veut faire élection, attendez, oui. Puisque yon besoin faire élection, puisque yon besoin faire élection, yon prend élection comme un moyen, yon outil
Mais tout le monde comprend que cette tentative d'élection, c'est ce qu'on appelle la pérennisation du pouvoir. Pour élève, moi, on a bébé Jisandef qui te connaît, mais nous avons trois phases dans le pouvoir. Qui reprend le pouvoir. Première phase pouvoir, c'est ce qu'on appelle la conquête du pouvoir. La conquête du pouvoir, c'est-à-dire comment on prend pouvoir. Deuxième phase pouvoir, c'est ce qu'on appelle la consolidation du pouvoir. La consolidation du pouvoir. Maintenant, troisième phase pouvoir, là, c'est ce qu'on appelle la pérennisation du pouvoir. On doit consolider le pouvoir là de façon pour pérenniser le pouvoir. Consolidation du pouvoir, c'est lorsque on prend un parti politique à chercher façon pour prendre contrôle toute instance, toute institution, l'État, on est limite griffé sous tout. C'est ce qu'on appelle la consolidation, les consolider le pouvoir. C'est-à-dire là, il détruit toute opposition, il marre griffe toute opposition, il échappe à tout contrôle et puis il établit, il prend contrôle là. C'est-à-dire il consolide, il met base dans toute instance l'État. Automatiquement, il contrôle tout appareil étatique. Automatiquement, il assure pérennité pour 25 ans, pour 30 ans. C'est ce que Duvalier. Mais on n'a pas besoin de faire grande étude pour comprendre ça. Il y a une dynamique liée. Moi, je n'aime pas, j'aimerais mes batailles avec mon sorte. Je dis depuis 2019. Depuis 2019. 2018, il me dit que je ne vais pas battre avec les oppositions. Les oppositions, par contre, bataille, on a le bluffer, oui, tout le monde. Je vais faire background sur les oppositions. Moi, tout c'est pour rester avec blanc américain. Oui. Par contre, un sérieux, tellement bloqué pays, crasé, brisé, fait caca. Par contre, quel sérieux pays, côté sérieux, pour aller avec le peuple là. Je vais toujours dire ça. Je vais dire tout le monde ça. Je dis, monsieur, nous comptons passer. Peuple ça là, faites attention. Opposition malade. Je vais connaître l'opposition pour mener nos pièces côté. Je vais connaître ça. Nous connais avec l'opposition, nous ne pouvons pas priver parce que parce que l'opposition a une limite. Lorsque l'opposition a un boss, il va pas accoucher résultat. Et c'est à ça n'a pas assisté là. L'opposition n'a pas de courage. De vous un boss, on va faire une bataille sérieuse. Parce que n'est pas nationaliste. Opposition pas national. Opposition pas défendre l'intérêt nation. Quel problème dans ça? Même là, de moi-même, j'ai un problème. Moi-même, c'est ça terme dans l'opposition pas différent. Opposition c'est petit système non. Yo tout c'est resté avec blanc. Yo tout a prendre les sons dans mes blanc américain. Yo pas avoir un sérieux. Ou t'a dit qu'on y a puisque pas une constitution, nèg yo prend constitution yo passer dans papier, pas un parlement, mais là mais c'est contre-pouvoir qui gagne qui t'a semblé gagner c'est coup de cassation avec coup supérieur des cours de cassation administratif mais yo en bas menace dans l'exécutif. Qu'on a ça opposition va le faire. Opposition va le dire, va le faire mobilisation générale pour prendre la rial manifester ceci là. Bon pas dit bon tout le monde a violé la constitution. Depuis tout le monde a violé la constitution. Bon tellement violé la constitution nèg là d'où il sorti dans ordre constitutionnel là pour la accoucher une nouvelle constitution. Ouais caca. Ouais. C'est elle la problème non, c'est-à-dire que puisque le président de la République lui-même décide pour le passer outre de la constitution. Or, qui est-ce qui a le pouvoir, qui reconnaît, qui institue la présidence même, c'est la Constitution. C'est la Constitution qui institue la présidence avec toutes ses attributions. C'est la Constitution, oui, de 1986. C'est-à-dire, toute cadre action, monsieur, tout ça qui encadre action président, c'est la Constitution. Oui. Et la Constitution, par Constitution 87, par reconnaître président, aucun pouvoir discrétionnaire en période de crise, non. Même j'en ai en France. Et puis, monsieur décide de faire affaire parle. Mais attendez, il viole la constitution dans la lettre, mais il ne va pas violer dans l'esprit. C'est parce que nous avons pas violé dans l'esprit. Parce que l'argument que nous avons avancé dans l'esprit, hein, c'est pour le bien-être. C'est pour le bien-être collectif. Oh, pas oublier, l'esprit de la constitution, c'est ça, assurer le bien-être collectif. Si nous avons dit ça, c'est pour le bien-être collectif. Que lui-même lui décide de passer outre de la Constitution, il viole la Constitution de la lettre, mais il reste fidèle à l'esprit de la Constitution. Reste fidèle à l'esprit de la Constitution, c'est-à-dire que les préoccupations premières de la Constitution, qui consistent bien entendu à mettre en place un système politique qui a favorisé ce qu'on appelle une société stable et qui pour résoudre le problème crise en dedans pays d'Haïti. Maintenant, l'esprit de la Constitution, son esprit qui est éternel. Cependant, la lettre, on peut modifier la lettre. On peut violer la lettre. Mais l'esprit de la Constitution reste le même. Et c'est par rapport à l'esprit de la Constitution, bien entendu, que monsieur utilise comme argument pour le dire comme ça, que le président de la République doit veiller au bon fonctionnement des institutions. Au bon fonctionnement des institutions. Il doit veiller. Et c'est ça pour l'expliquer qui fait le mettre en conseil électoral provisoire sous pied.
Et c'est ça la expliqué qui fait lui décider pour faire venir avec une nouvelle constitution. Est-ce que vous? Maintenant, vous êtes d'accord, vous êtes pas d'accord. Entre le droit et le fait, le fait remporte toujours la victoire. Alors le droit et le fait, pas de mentir là, le fait toujours remporte la victoire. Et c'est, est-ce que ça nous gagne pour nous toujours battre, pour nous échapper avec le droit? Et c'est ça que tu as ici encore, qui m'a beaucoup moins ici encore. Il y a haïtien qui toujours comprend. Haïtien tellement coquin. Haïtien lui propose. Lui connaît bon. Lui connaît à l'école ou formé ou éduqué. Ou formé ou éduqué ou à l'école. Lui connaît soit dit à bon. Mais tellement coquin, tellement d'un courage moral. Au lieu de reconnaître que soit fait à bon. Au lieu le bok, lui dit qu'on a mon cher, ça fait à bon mon cher, m'apprécie ça. Il va y courir ça. Tellement mesquin, tellement ici un diable. Il préfère propose pour le pas, j'aime complimenter ou bien pour le pas, j'aime doux, pour le reconnaître valeur. Il va reconnaître valeur. Parce que pour lui, s'il reconnaître valeur, c'est un gloire bas ou bon. Mais haïtien, elle m'a dit comment haïtien est diable. Haïtien, c'est pas si bête qu'il a, non? Ou un jeune blanc lui-même, lui reconnaît valeur blanc pareil. Il tellement reconnaît valeur blanc pareil, il est prêt pour le protéger blanc pareil. Il est prêt pour le défendre droit blanc pareil. Parce qu'il reconnaît valeur blanc. Mais haïtien, haïtien, on met bon pour lui ou pas bon. Il met connu bon, là, il pas bon. Il met connu son diabon, tu n'es crasé, puisque c'est vous qui dit, il pas bon pour lui. C'est seul haïtien. Haïtien, pas même du courage pour le dire qu'on fait un bagage qui bon. Tellement haïtien criminel li mesquin, tellement l'esprit sur l'esprit mesquin y comme ya bon esprit mesquin on pas ka valoriser pour parler de progrès. Nous fait commencer manger caca en Haïti. C'est te mentalité nous sale comme ça qui fait nous dans état ça. Nous parce que le problème qui se pose, nous pas qu'on résoudre le problème fondamental qui sont les conditions, la nature humaine. Nous pas qu'on résoudre le problème de la nature humaine qui sont problèmes philosophiques. Nous pouvons résoudre le problème des conditions humaines qui sont problèmes philosophiques. C'est ça que nous pas qu'à parler de la pensée haïtienne. Nous est capable pour nous parler, pour nous faire ce qu'on appelle la philosophie haïtienne. Ça va exister. La philosophie haïtienne pas exister parce que nous n'avons pas pu penser l'haïtien. Le modèle haïtien. Il n'y a aucune réflexion philosophique qui a été faite sur l'homme haïtien. Voilà le problème fondamental. Nous pas qu'à définir. Nous tellement coquins, nous pas jamais les définir. Non. Parce que du moment qu'on définit tes droits pour qui sont yé, haïtien va d'accord. Haïtien va vouloir définir tes droits. C'est ça que l'on a toujours dans le cacara. Li définit tes droits, li connaît le coquin, li connaît le mesdames, li connaît l'audacieux, li connaît le cherche, li connaît l'actionnaire, li connaît tout. Tout vieux bagage saleté, malpropreté, c'est yon le valoriser. Li rele volé à nek sérieux. Li volé assassin moun de bien. Li rele nek kap krasé brisé pays intelligent. Nek qui volé caisse l'état, li dit si on est qui intelligent. Nek qui pi. Et puis, au moins, la fonie, hein? Moun qui apparaît comme yon, n'importe moun qui t'apparaît dans la société haïtienne, non? Comme yon alternative haïtien, pour ta proposer yon l'autre bagay de bien. Kakou Jean-Dominique, kakou professeur Montferrier, société a mangé, haïtien a mangé. Tellement haïtien pa vle wè lumière, haïtien détruit. Depuis, moutre haïtien lumière détruit. Et ceci depuis au commencement, Dessalines fin montre nous lumière. Nous même encore nous détruire, nous manger, nous craser. C'est l'haïtien. Quand on a vu parler des problèmes constitution, président va mettre CEP, président va mettre toutes ces bagailles, mettre dame audacieux, je cherche. Notre problème, c'est un problème culturel. Le problème fondamental, c'est un problème culturel. Nous avons une mentalité sale, malpropre. Et c'est le problème fondamental. Et nous transmettre dans la politique. Nous transmettre de notre manière de résoudre nos problèmes. Nous transmettre, nous refléter culture salope ça, de notre façon d'appréhender les choses, la réalité, ses alliés. Nous ne parlons pas de bourgeois pendant ce temps, nous ne parlons pas de bourgeois. Tenez-vous, nous ne parlons pas de bourgeois pendant ce temps, c'est à faire malheur et aller faire manifestation, nous voulons. Nous, et puis, nous toujours dans la radio, nous coquons, nous menteurs. C'est un menteur lié, oui. C'est un menteur, nous tellement coquons. Nous gracier volé. Nous connaît nèg la casse caisse l'état nous ba la misti. Nous connaît nèg la casse caisse l'état. En Haïti c'est seul pays où levons bon matin,
ou jeune nèg te pas bon goutte nan moun dal demain matin ou jeune ni gen un gros château qui coûte combien millions de dollars. Yes, quand dormi a nèg la tout pauvre, li pa jwenn bolèt, li pa gen nan bolèt. Demain matin tan de nèg la construit un gros château qui coûte combien millions de dollars. C'est seul pays côté on nèg levé li dormi nan nuit, pauvre demain matin levé riche et puis personne pa mande le côté jeune l'argent ça. C'est le pays d'Haïti. On ne peut que raison pas mander le côté de l'argent ça parce que nous avons une mentalité qui dit au nèg la nan diable, al prend nan diable. Ça veut dire depuis nèg la dou la prend kay diable, ça veut dire il pas valoriser travail, il pas valoriser le travail parce que de pour valoriser le travail, on va demander nèg la pour le bail paycheck li pour suivre comment faire l'argent. Un seul pays on est calé bon bon matin riche et puis l'homme de côté de l'argent li riche là, li dit comme ça c'est nan diable lié. Nan diable lié. Pour un pays caca. Son pays mal propre. Ça veut dire, puisque nèg la dou c'est nan diable lié, pas gen moyen pour al contrôler côté le jeune l'argent ça. Nèg la leve jeune gros caï, li jeune machine, la roulé, tout moun a bien roulé, tout moun a bien fonctionné. Yel te pauvre. Yel te pauvre. Et puis je dis al riche. Quand on a pensé ces problèmes constitution, ces problèmes président de la République qui met ton conseil électoral, ces problèmes comme si oh oui parlement, ces problèmes opposition, nous fou. Toujours nous faire caca. N'a toujours des problèmes politiques, n'a toujours jeune madame, n'a toujours jeune comme je croquer, n'a toujours jeune n'a toujours derrière jeune accord politique, n'a toujours jeune qui derrière tuer moun, n'a toujours jeune assassinat politique, n'a toujours jeune manger moun en dedans pays. Parce que le problème fondamental, c'est un problème culturel, c'est un problème de mentalité lié. Nous avons mentalité pauvre, nous avons la mentalité mesquée, nous avons mentalité malpropre, nous avons mentalité sale. Nèg la met fait grandes études. Nèg la ou on est capable parler avec lui dit comme ça oh nèg m'a parler avec nèg la dit comme ça oh yo assassiné mettre là on dit yo assassiné mettre Dorval on dit yo assassiné mettre Dorval mais Dorval assassiné tête li mais Dorval assassiné tête li pour qui raison monsieur pas comprendre m'dit m'a parler non dimension philosophique avec elle métaphysique monsieur pas comprendre m'dit c'est vrai yo assassiné mettre Dorval regardez le recevoir en pile cartouche dans l'estomac li. Parce que c'est la faiblesse du droit. C'est la faiblesse du droit, c'est la faiblesse de la société. Et monsieur pas besoin de justice, pour quelle raison? Parce que le droit en Haïti est faible. Il pas besoin de justice. C'est ça le problème. Tout net. Même avec le droit, il fait coquin. Bonjour Dominique, pas de cas de justice. Et puis, c'est mon frère qui est pas de justice. Bluff. Très bien. Bluff lié. On a dit, monsieur, professeur, tu es tête d'idée. Monsieur dit, comment? On dit, oh, on a gagné doctorat dans le monde. On a gagné doctorat dans le monde. Ou à l'étudier en France. Ou fin prendre toutes études ça, yon bon docteur. Blanc français reconnaît tout. Et dans la grande société, ou étudier, tourne dans le pays. Ou dit pour j'aime l'élan patriotique. Par le l'élan patriotique depuis qu'il est. Avec ce l'âme d'où nèg la gen doit former. Il y a un pile connaissance juridique, mais elle ne pas comprendre la réalité. Et la réalité abrel. Elle a dit la fonctionner dans la superstructure. Pendant ce temps-là, l'infrastructure va manger, monsieur. L'infrastructure manger, monsieur. La, reprendre le doigt, c'est l'expression de l'infrastructure. L'infrastructure, là, pour le manger, monsieur. Mais monsieur, très formel. Libère de bagaille au fait de, selon la normalité, dans le cadre légal. Depuis qu'il est, et puis, je me compte, c'est haïtien, quoi qu'il l'abdil. Depuis qu'il est haïtien, t'es qu'on respecte la parole. Depuis qu'il est haïtien, t'es qu'on respecte le droit. Depuis qu'il est haïtien, t'es une notion de justice. Depuis qu'il est haïtien, t'es qu'on valorise la justice. Nous comptons dans le coquin, nous y est. C'est mesdames seulement, nous font la donne. Eh bien, monsieur pensait que, mettre mon ferry pensait que le cas vient changer l'autre des choses. Et c'est là le caca. Le cas vient, a fait petit coup, pensait le cas vient point, avec le droit constitutionnel, il pensait haïtien remet le droit. Haïtien pas remet le droit, mon frère. Le droit, c'est un obstacle pour l'haïtien. Nous avons cette culture. Le droit, c'est un obstacle pour l'haïtien. Lui doit toujours dépasser le droit pour le craindre ce pays. C'est l'haïtien. C'est ça que nous toujours dans l'accord. Nous toujours fonctionner hors du cadre légal. Nous toujours faire affaire, nous dans mesdames. Comment vous voulez? Comment vous voulez pour une société? Non pays, on groupe net boulon l'argent Petro-Caribé. Jusqu'à maintenant, pourquoi vous avez un pinez qui a arrêté? Jusqu'à maintenant, pourquoi vous avez un pinez qui a arrêté? Et puis, poussez pas mon ferrier pour vous manger. Où est le droit? Où est la justice? En société, côté la justice, pas valoriser la justice des sociétés. Ou fou, même. Ah, mettre dame audacieux, je cherche clan qui a réglé là. C'est pas gang qui a réglé en Haïti, oui. C'est la loi des gangs qui a réglé, la loi des clans qui a réglé. Ça dépend de qui clan y est, ça dépend de qui clan y est. C'est bagaille tribal qui a réglé là. Bagaille tribal, bagaille barbare net, oui. C'est le barbarisme total, oui.
En dépit pas le droit et la justice dans la société par le barbarisme qui régnait, c'est par l'anarchie, le barbarisme, l'esprit clanique, l'esprit gang qui régnait. Pour imaginer pour un jeune garçon gagner un mandat de la justice derrière. Et puis pour un jeune garçon ça a toujours gagné zame et puis la baie conférence de presse. Nous ne pas rendre compte de qui société nous est là. Quand il y a en matière de philosophie juridique, pour moi, je ne veux dire là, je suis campé, je vais bagaille, je vais une chita. Qui bon? Qui bon? Je dis nous si bagaille. Depuis qu'il est haïtien, tu es valorisé. Depuis qu'il est haïtien, tu es valorisé. Mon bagaille. Nous toujours dit mon bébé J9 moi là. Bébé J9, nous toujours dit nous ça. Haïtien pas petit au pour caclerin. Haïtien pas petit au pour 50 cob. Entre 50 cob là avec caclerin avec la vie ou la détruit la roue pour 50 cob. Haïtien. La fin détruit la roue et puis il va prendre 50 cob là le tio là pour l'acheter un caclerin la donne pour le bré pour soulager conscience. Haïtien. Son société mal propre net senti caca nous gain là. Quoi nous voulez? Tout bon bagaille y a mangé. Ce société qui valorise volé, kadejake, kidnappé, assassin. Bon, nous pouvons même connaître qui modèle de société nous besoin. Qu'on a parlé de constitution, n'a parlé de constitution, n'a parlé de les droits, n'a pas un peu mon affaire fait mettre dame à une propose. Oh oui, mais mon férié mourir, mon férié. Eh, vrai coco. Eh, vrai. Mon ferrier t'a mouru, il est mouru encore. Parce que le problème, monsieur, est victime d'une erreur de jugement que le fait. Il font une erreur de jugement sur la société haïtienne. Monsieur n'a pas maîtrisé les non-dits de l'histoire de notre pays. Le professeur Montferrier n'a pas pu peser le poids de l'histoire et de la culture haïtienne, de notre façon de faire, de vivre, de faire de la politique. Monsieur pensait que haïtien c'est mettre qui bord devant, haïtien c'est mettre qui bord devant, après le docteur, après le professeur, mais la veille pour le casser cou. Pour occuper haïtien, attendez, haïtien a veillé de près. Elle a même dédié, me dit le professeur. On va dire nos petits bagages. Ou pas qu'à battre environnement ou non? Ou même on grenoble l'homme elle ouais le problème philosophique, le problème philosophique est fondamental. Jean-Paul Sartre dit bien, oui. Jean-Paul Sartre l'a posé, il dit que ça l'homme est né en situation. Effectivement, monsieur Montferrier, il est né en situation, il est né en Haïti, c'est-à-dire la culture l'a précédé, les conditions socio-économiques et politiques l'ont précédé. Monsieur fait de une jeune culture pays, lui fait de une jeune société à telle qu'elle est, lui fait de une jeune comment elle doit faire politique. Au contraire, lui étudie au lieu, lui connaît comment haïtien fonctionne. Quand on a fini d'étudier, on fait toute grande étude ça. Ou elle étudie dans une grande société, côté respecte moun, côté valorise moun, côté qu'on valait moun, côté moun qui vit bien. Ou elle étudie là, et pour descendre en Haïti. Le descend en Haïti, ou confond société ou à l'étudier avec Haïti, avec société haïtienne. Et puis société a mangé. Il faut retourner dans la réalité, le montre qu'on a menti. Ou pour un docteur, ou pas docteur pour Haïti, ou docteur pour la France. Parce que tout ça étudié pour venir docteur, c'est pas une grande société. Société qui développait, société qui résout le problème philosophique, société côté on a pensé de façon positive. Les haïtiens sont caca, vagabond, gangster, nek qui pas connu, pas connu écrit, aya, oui, l'eau, n'a pas les ma sénateur, a fait loi pour ou gangster, nek qui n'a kidnapping, qui sont de comprendre. Bon, monsieur, qui chance neuf cartouches au Bali. Neuf cartouches au Bali, bon, malgré ça, yo doux avec monsieur. Mais là, lui, depuis, on a dépassé deux cartouches. Depuis, on a dépassé deux cartouches, la petite roue, il n'y a pas de intention pour vivre encore, non? Depuis le commencement, c'est dans 3, 4, 5. Ça veut dire que ça a lui-même. Il n'y a pas de vivre du tout. Mais vous avez pris 5 cartouches. C'est exécuter. C'est assassinat clair. Pas de monde ne va pas décider pour vivre du tout, non? Ça veut dire qu'il vit même avec intention pour le détruire, oui. Ou imagine on prend 9 cartouches. C'est la société haïtienne. Après, je dois dire que c'est la société haïtienne qui a tué, qui a assassiné, oui. Qui a assassiné le professeur Montferri. Après, je vais me caser comme boulim, je vais me suivre. Je vais me faire un pile par un pile sous lui. Je vais me dire, qu'est-ce que c'est? Parce que notre société haïtienne, son société sans ticri, t'as su combien?
Balba nou dernier point et puis m'a terminé. Ou pense nèg pa kachi ta rezout problème pays hein. C'est le fait que nous j'en ai de mauvaise foi. Ou pense pour le bien-être collectif. Ou pense opposition secteur démocratique ou pense comment les sociétés civiles ou pense nèg pa ka vini yo chita avec le pouvoir en place ensemble yo décider en série de bagages, yo fait concession, yo parler, yo échanger. Ce qui dit, vous comprenez pourquoi on va faire? Je ne sais pas pourquoi on va faire. Tout autre blanc va venir tirer sur les yeux, pas faire. Regardez bien, même bagarre avec convergence démocratique. Je ne sais pas pourquoi on va faire. PHTK qui sous pouvoir pense le coquin. Il a besoin de pouvoir pour le retenir. Il pense le coquin. Livré dans Mario, il faut rouler. Il faut rouler l'opposition dans Farine. Faut où les secteurs pour démocratique là dans Farine, faut où les société civile là dans Farine et puis yo kaka société. Ça veut dire dans mine PHTK qui sous pouvoir. Yo pense c'est un pied intelligent. Tada et yo pied intelligent comme si ni opposition sort, ni société civile là immune sort, ni société système judiciaire sort. C'est un pied intelligent, c'est un pied merdam. OK. Les compositions, même vous connaissez pas ça. Y a pas un bien-être collectif, non? Y a pas une société, y a pas un peuple à cap mou gringou, y a pas un peuple à cap man qui pas qu'à manger, y a pas un pagne ou pagne l'école. Les apoule. Les compositions, y'a dit, oh, eh ben si c'est comme ça, nous allons bloquer, monsieur. Nous allons bloquer, monsieur. Les gens, nous allons bloquer, monsieur, opposition. Y a pas qu'un des peuples de ceci, de cela. Y'a bloqué. Y'a l'autre pays, manifestation, boule, caoutchouc, ceci, là. Président, l'homme de président régime PHTK, qui est-ce qui bloque le pays? Vous comprenez qui est-ce? Lidou? Lidou oligarchie. Attendez, Lidou oligarchie. Attendez, je n'ai pas dangereux, monsieur. Lidou oligarchie. L'État, ou moi de l'État. Ou dit l'État, qui est-ce qui bloque le pays? Tout le pays à Bakamaché. N'est qui n'a tête l'État, ou d'où l'oligarchie. Qu'on y a l'homme de qui ça qui l'oligarchie? Lidou, un petit groupe famille, un petit groupe nègre. Comme si l'État sous territoire, tandem bien, l'État sous territoire. Li dou, mais qui est-ce qui, li connaît qui est-ce qui bloque le pays à la main. Tandem, l'État a eu tout ça. Ou est-ce qu'il y a une excuse, il y a une ruse. Pendant ce temps, il c'est l'État. Li sous territoire, li gen sa yore le monopole de la violence légitime, li gen sa yore le contrôle souverain de l'André dans le pays. Li dou, mais qui est-ce qui problème ni. Ou l'État ou dit, ou contre qui est-ce qui problème ou. Sous territoire national là, ou pas maîtriser territoire national, et puis qu'on y a pour pas lever pour aller prendre pour résoudre le problème. Donc on a un problème dans côté lié pour parler d'elle. L'homme d'elle, qui est-ce qui problème? Il dit oligarchie à son groupe famille. Et puis le campé de figure, il dit, oh, souvent, il y a ça au pays à bouler dans le monde. Tendez ça en comportement, on chef d'État dit, oh, souvent, il y a ça au pays à craser, le pays à prendre fait dans le monde. C'est-à-dire que, ou il veut une situation, côté que, n'est-ce pas qu'on compte pour les mains. Mais puisqu'elle a fait coquin avec le peuple, a fait coquin avec tout le monde, au lieu de prendre responsabilité pour assurer le bien-être collectif, pour assurer le bon fonctionnement des institutions, pour permettre à ce que la démocratie a fleuri, pour le Québec base, société a pour la coucher en société qui vous dit. Vous avez fait? Vous avez oh, et pas faute moins. Oh, et pas moins. Tendez, oh, et pas moins, c'est oligarchie. Quand on demande au peuple qui est-ce qui est oligarchie, personne ne va comprendre qui est-ce qui est oligarchie. Personne va, même lui, même au moment de qui est-ce qui est oligarchie, pas qui est-ce qui est oligarchie. Ou par contre, qui est-ce qui est. Ils utilisent gros mots pour kakor, ou un problème linguistique là, ils utilisent gros mots, on sait de gros thèmes pour bluffer peuple là, pour faire peuple là, pas comprendre. Mais, non, coup, qu'on a fait. Oh, l'oligarchie. Mais qui est-ce qui est oligarchie? Il y a un bagadou qui est-ce qui est l'oligarchie. Il y a pas de citer non personne en oligarchie. Pour qui raison? Parce que c'est pas coquin qui a fait. Il y a pas de mesdames qui a fait. Maintenant, on connaît oligarchie, oligarchie comme si c'est bête. Un bête noir qui cache un côté, moun baga manen, moun baga weli, mais tout moun a cité non chaque jour. Oh oui, oligarchie, quoi alpon manen? Qu'on a dit, ou a dit, ou a la opposition, dit opposition, qui problème pays a? Tandis, l'État, d'où c'est oligarchie? Régime politique, là, d'où c'est oligarchie, problème pays a? Qu'on a la opposition, dit opposition, qui problème pays a? Opposition, d'où problème pays a, c'est l'État. Tandis, ou a la qui kaka nous pas? L'État, d'où qu'on ça c'est oligarchie? L'opposition lui-même, opposition d'où, c'est l'État.
attendez, opposition douce et l'État. L'on dit opposition, pour qui sont à faire manifestation contre l'État. Pour qui sont à bloquer pays, ou à bloquer pays contre l'État. Pour qui sont à bouler caoutchouc, la faire bouler caoutchouc contre l'État. Parce que l'État pas fait ça de fait. Vous entendez? L'on dit l'État. Mais opposition levée dans Moudou, la boule caoutchouc, la bloque pays en amont, la fessie c'est là. Pour que je ne résoudre le problème. Au contraire, l'État d'où? L'État dit pas occupé, c'est oligarchie qui derrière opposition qui empêche. Ça veut dire ni l'État, ni l'opposition, ils ne peuvent pas mettre tête ensemble pour combattre l'oligarchie. Tout le monde comprend que c'est oligarchie le problème. Quand on est pour arriver dans l'État, dans tête l'État, l'idou c'est l'État le problème. Quand on arrive dans tête l'État, l'idou c'est l'oligarchie qui problème. Et puis personne ne va jamais manger l'oligarchie. Personne ne va comprendre qui est qui l'oligarchie. Personne ne va comprendre qui moun qui oligarchie. Oligarchie son concept utilisé comme ça pour kaka moun, a fait un pile philosophie, a fait un paquet de spéculation sur question philosophie, sur question oligarchie. Dis moun exactement qui est qui oligarchie et puis nous prendre. N'a pas chez prendre oligarchie. Non. Personne ne va dire c'est oligarchie. Mais depuis qu'on gros problème dans le pays, oligarchie. Il y a kaka moun, oligarchie. Quand il y a mal fait tentative, on dit mais oligarchie ça faut mal chercher qu'on est. Yo dit c'est grande famille, on y a mal des brat matsen, c'est la muse mal des et boulos yo mal des et les grandes familles bidjo c'est là. C'est on connaît de l'argent dans pays. Il m'a dit que qui oligarchie. OK, l'aldeur nex ça au mandé, attendez. Ou mandé mais l'état dit c'est notre problème pays là. Ou on dans ça d'où? Nex ou dit grande famille ça. On dit non, et pas notre problème pays là. Nous pas au contraire, nous besoin l'état fonctionner bien. Nous tarer mais nous payer taxes en dedans pays a nous voulons investir tant de discours nèg nous voulons investir dans l'économie pays a mais crise politique pays avec instabilité politique empêche nous investir en dedans pays a oh monsieur quand au pays nous t'a bien aimé investir là-dedans nous t'a bien aimé et créer travail nous t'a bien aimé économie en développer la plus bon pour nous oligarchie a parlé là la plus bon pour nous la plus ceci la plus cela au contraire condition ça on pas réunir problème qui fait condition ça on pas réunir parce que l'état haïtien pas prendre responsabilité pas créer les conditions nécessaires li pas bay sécurité li pas bay stabilité de façon à ce que pour nous capables d'investir dans l'économie. Quand si nous prenons l'argent, nous allons investir dans l'économie, si on perd notre affaire, nous avons un esprit de business, de homme d'affaires, nous ne pouvons pas faire ça. Ça, c'est esquisse. Oligarchie à vous, bah, l'État qui va faire travailler, l'État même d'où c'est oligarchie bloqué, opposition même d'où il y a problème à l'État, l'autre dit opposition, c'est là. Quand on dit, oh, mais tout le monde est en caca, ou on consulte les peuples avec la jeunesse. Ou dit les peuples lui-même, à qui est-ce qu'il y a problème? Les peuples même d'où il y a problème avec tout le monde, même à peut-être pas, mais caca net. Les peuples d'où il y a problème avec ni l'État, ni oligarchie, ni opposition, et même avec peut-être pas il y a problème. Pour quelle raison? Parce que les peuples pas même qu'on s'allait. Le peuple pas qu'on s'allait. La populace, la canaille, il pas qu'on s'allait. Il tellement pas qu'on s'allait à chaque élection privée, boum! Il a tellement pas qu'on s'allait. Et pense à tellement, je dis à l'aile vivre, demain l'aile vivre. Et puis le peuple a dit, ça me même, ça devine en banane. Ou vina banane, bal banane. Ou vina badiril, bal diril. Ou vina soleil, bal soleil. Tout ça devine le bon au champ. Soit attendez à mes sacs les peuples. Qui est le vrai problème qui vous est réellement? Nèg média, je n'ai même pas besoin de médias. Média, c'est un petit cobli la défendre. Un petit journaliste qui a fait un petit cobli. Qui est le vrai problème? Société. L'État irresponsable. Ce n'est pas l'État. Oligarchie à doux, ce n'est pas l'attendre l'État pour créer conditions pour faire pour l'investir. Opposition même doux, c'est l'État de problème. Non? Les peuples lui-même qui appellent doux, lui-même, il n'y ni l'État, ni les peuples, ni les goûts de l'oligarchie, ni les gens qui nagent dans le caca, dans la pauvreté, dans ceci, dans cela. Ceci, cela. Qui voit problème d'abord? Vrai problème, non? Vrai problème, non? Mes chers amis, vrai problème, non? C'est l'homme haïtien. C'est la mentalité haïtienne. C'est ça qu'haïtien. Haïtien irresponsable. Haïtien pas vle rien qui bon. Haïtien coquin. Haïtien pas remè rien collectif. Haïtien pas vle bien-être rien. C'est chaque nèg, c'est ça pas plus que chaque nèg tellement coquin. Chaque nèg a dou, c'est pas moi même, c'est un tel. C'est pas un tel, c'est lui-même. C'est un tel, c'est pas l'intel, c'est un tel. Pendant ce temps, tout n'est pas bataille à vous et responsabilité, et puis pays a effondré.
Pendant l'État a dit c'est oligarchie, le pays a tombé dans la crise. Pendant l'oligarchie a dit c'est pas lui-même, l'abtan l'État, le pays a tombé dans tout. Pendant l'opposition a dit c'est l'État lui-même l'a bloqué le pays. Pendant le peuple a même dit, le peuple a dit, l'élection lui-même pour la voter, dire pour que je ne fais pas, pour que je ne moto, pour que je ne sais si c'est là. Ça veut dire. Là où on a fait une analyse en surface, il y a même pas de petits senti cri, qui a parlé dans la radio, la télévision. Connaissons un petit cop qui a défendu. Il y a même pas entré tête dans le régime pour voir. C'est caca qu'a fait. On connaît depuis là, depuis ma le ministre, c'est petit comme on va le faire, c'est petit ou les belle machine balou les mou monde va le mauvais couper bousin parce que c'est et ben c'est rien. Et pas bail pays qu'a réglé. Et c'est une raison qui explique leur mort mon ferrier. L'autre société qui pas respecter valeurs. L'autre société côté vie monde pas aucune importance. L'autre société côté les mal bien. Fondement moral société ça effrité pas gen rien là dedans qui solide qui kembe les on société côté jeunesse là sans repère des fois lui prend pause valeur y a manger d'ailleurs haïtien pas les monde qui gen valeur t'allez le dou et parce que t'as l'étudiant en France parce que gen doctorat c'est parce que si c'est là ou vinn ouvert monde ba pas les cocotte sérieux ça te comprend nous t'es. Ça a toujours ouvert col parce que c'est lui. Les gros mots de lui, c'est toujours propose grand connaissel. Des fois, ils sont ça. Ils ont préparé un secret pour vous. Ils ont préparé 6 feuilles planches pour vous. Des fois, ils sont dehors, mais c'est toujours propose grand connaissel. Hein? Ils ont toujours propose c'est lui grand et le grand savoir. Oh oui, nous connaissons, c'est vous seulement de connaître. Des fois, ils ont tout ça, maintenant, vous méritez un bâtiment en mort. Donc, son nation, son peuple, qui pas vous garder tête d'ennemi, ou non? Quand Haïtien mette le devant miroir ou kaka. Il retire responsabilité à l'voye. Voye son l'autre monde. Il plutôt crase miroir. La crase miroir. Hein? La crase miroir. Parce qu'il n'y a pas de figuil dans miroir. Il n'y a pas de tal dans miroir. Il y a peut-être ça le gars le doigt, oui. Le doigt, il fait le doigt. Ce qui est droit, ce qui est juste, ce qui est intègre. C'est ça le droit, la justice. Pas de société sans le droit. Pas de société sans la justice. Pas de société sans l'intégrité. Et l'honnêteté. Ou pas qu'à construire société sans valeur fondamentale. Ou pas capable. L'esprit de la justice. L'esprit du droit. L'esprit de l'intégrité. L'esprit de paix. L'esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de conseil et de force. L'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ou pas capable de gagner. Une société sans dimension spirituelle, ça. L'effondrement du système, lui est sorti à partir de cet élément fondamental. La métaphysique haïtienne est effondrée. Nous pas gué métaphysique. Racine spirituelle, nous, n'est pas solide. Nous avons une racine spirituelle qui prend naissance dans la pauvreté, dans la ténèbre. Les forces du mal, les forces ténébreuses ont pris le dessus de la société haïtienne. C'est ça fait depuis nous lever, nous tendons à parler de l'enmort, des assassinats, des coups d'état, des coups de zame, des volets, des mesquins, des corruptions. Nous pas ces mots ça à utiliser plus dans la société haïtienne. C'est ce que cette bagaille ça est symptomatique de la réalité sociale haïtienne. Les symptomatiques de réalité pays nous hein, sont réalité sociétale que n'a vu jour et jour côté la société haïtienne est effondrée. Nous arrivons dans un niveau qui pis mal. C'est bon. Question président dictateur. Nous connaissons depuis l'histoire, nous haïtiens remet dictature. Nous connaissons ça, nous vivons. C'est dans notre culture, c'est dans notre manière de faire. Mais qui ça t'explique ça? Nous sommes écartés des fondamentaux. Nous sommes écartés des fondamentaux. Haïtiens par les mes prochaines. Et marqué samedi nous là aujourd'hui là. Si nous pas chita pour nous produire une réflexion sérieuse pas sur la société non. Sur qui modèle haïtien nous voulons. M'a prédit. Avant parler des sociétés, réfléchir avec qui modèle des haïtiens besoin. Maintenant là fin réfléchir sur qui modèle haïtien de qu'on besoin à connaître qui modèle d'éducation qu'on va implanter dans la société, dans le pays.
Il faut soulever la problématique de l'homme haïtien d'abord. Qui genre de haïtien nous besoin? Qui modèle haïtien nous besoin? Est-ce que nous besoin d'un modèle haïtien qui intègre? Est-ce que nous besoin d'un modèle haïtien qui doit? Un modèle haïtien qui croit dans qui believe dans vérité, qui prêt pour dire la vérité, qui prêt pour supporter l'autre, qui pas dans coquin, qui pas dans mettre dame. Est-ce que ce modèle haïtien ça nous gagne? Là nous construit modèle haïtien ça qu'on n'a pas construit un curriculum. Côté que un programme d'éducation pour nous éduquer peuple à sous ses valeurs fondamentales. Et à partir de là, nous avons une société qui propre, qui clean, une société responsable, juste, éclairée. Côté monde, respecter monde, nous valoriser la vie. Là, nous arrivons dans la dimension ça. Seulement, nous avons parlé des problèmes politiques. Problème politique va résoudre. Problème coquin va résoudre. Problème social va résoudre. Problème économique va résoudre, mais le fondamentaux, faut résoudre d'abord. Le fondamentaux, faut résoudre d'abord. Si nous n'avons pas le courage pour aborder les vraies questions, si nous pas quitter coquin mesdames à côté, pour nous épouser conscience nous, pour nous manger les vrais problèmes, les nous est noir pour ne pas dire blanc, les nous est coquin, les nous on baga pour ne pas faire coquin même à propre tête pas nous. Les ça n'a connait. Qu'est-ce nous? Et ça n'a pas envie de faire chemin, n'a envie de faire société, n'a envie de construire route, n'a envie de faire bagaille qui bon. Mais je ne j'en dis, hein, c'est bien malheureux mon ferrier mourir comme ça. Parce qu'il commet une erreur de jugement. Il commet une erreur de jugement. Le dernier, il y a un docteur en Haïti qui a fait tentative pour pouvoir, il a mangé. Il a foutu un coup d'état, l'estime maniga. Il a dit non, c'est bagaille bien. Gérard Goug était tellement intelligent, professeur Gérard Goug, de par formation extrêmement formé et éduqué. Vous connaissez cette fanny dans Gérard Goug? Gérard Goug, tout le peuple a été besoin de Gérard Goug à l'époque dans fi. Gérard Goug, 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 Gérard Goug. Vous connaissez les praticiens du pouvoir, l'armée. Yo jouent 4-4-4-4-4-4-4-4, yo roule 4-4-4. Ils font bagaille élection. Et puis, pour masquer le peuple, ils prennent Gérard Goug, ils mettent Gérard Goug ministre de la justice. Wakaka. Pour maquiller la société. Gérard Goug, ministre de la justice. Les Gérard Goug, ils veulent en dedans. Non, niveau. Gérard Goug, il pas qu'à opérer en dedans système. Gérard Goug, il marre puis elle marre. Gérard Goug démissionné. Ouais, ouais, problème. Alors, dit même les nègres à reconnaissance. Mais puisqu'elles font mauvaise lecture, puisqu'elles vont commettre un erreur de jugement, ils ont toujours une paix, ils ont cassé bec, ils ont devant. Gérard Goug fait expérience là. Et Maniga, parce qu'il était intelligent, elle arrive dans le petit monde des affaires de l'État. Nanfi, font un coup de font un manœuvre, font une élection, puis bah, monsieur, parce qu'il met dame. Même non, viens foutre Maniga en coup d'état encore. Ou un problème, non? Après, dit, intellectuel, yon nèg, yon kal li kal écrit dans Bolivie. Yon va comprendre que problème, non? Pays a son problème de société, de homme li gagne. Yon pense que c'est à le prendre pouvoir, et puis à le changer. Qui bon? Dans qui pays? Dans qui société? En Haïti, ça va exister. Yon ne va pas apprendre, comprendre. L'État qui a joué un rôle orientateur. L'État qui a orienté les grandes directions, les grandes orientations en ce qui a trait à venir pays. Bien, sur le plan politique, orientation économique, politique sociale, orientation en termes de politique générale. Les grandes orientations, les grandes lignes. Et sur une période de longue durée, par exemple, quelqu'un a 20 ans. Depuis quelques temps, nous pas réfléchi en termes dans long terme encore. Nous réfléchis en raccourci. C'est pas semaine nous réfléchir, pas 5 ans, pas 1 an, 2 ans. Nous pas réfléchir 1 an, 2 ans, 6 mois, petit projet 6 mois, petit projet 3 mois, petit projet 4 mois, c'est pas ça. Mais les grands travaux, les grandes stratégies. Il y a des bagages m'a vinn bay moun sur télévision sur Facebook. Qu'on a pour m'da vinn parler nous des grandes stratégies. Hein, par exemple, il bay pour faire dans classe privée pour m'a vinn parler nous des grands travaux, des grandes stratégies, des grandes visions. Et bagay sa qui permet Japon développer, et bagay sa qui permet l'Allemagne reconstruire tête li, c'est bagay sa, ce sont les grandes stratégies qui permettent la Chine jounen jodi an
réchauffer la planète là, à réveiller la grande stratégie qui mettait les États-Unis à travers les manifestes. Écoutez, ou même quand on est haïtien qui a venu radoter dans figi moun, bon, mon frère qui a doctorat nan men, nous manger. Mon frère qui te professeur nous, nan, a fait coup de doigt pour nous, nous fout manger sans garder derrière. Quand on a nous avons des timoué même, qui pas même gen doctorat. Qui ont un petit bout de maîtrise dans même nous va manger. T'as mangé ce gars de et pas même pas la gueule qui t'a levé les petits doigts pour moi même. Eh, vous t'as haïtien? Haïtien t'as dit, j'aime pas monsieur t'as radoté sur Facebook là. Monsieur, si mourir, si visé, monsieur. Ah, monsieur t'as radoté, nous est signé la paix. Haïtien t'as dit, oh, nous est signé la paix avec ça. N'est-ce pas radoté sur Facebook là trop? N'est-ce pas parlé trop? Hein? Haïtien? Sorti caca ça yo? Eh, ouais, camarade. Et vrai, faites très attention, haïtien. Et map dit nous ça. Quelqu'un qui va dire, oh, descendre dans une bataille. Bataille qui ça? En descendant une bataille? Bataille qui bon? Bataille qui bon? Oh, bataille en Haïti. Oh, fou! Mais quoi, n'est pas clé? Bataille. En opposition, c'est bataille à bataille. T'es nous pas clair. 509. Al gade pour elle. Qui ça me dit de 509? Fantôme. De dit c'est théâtre qu'a fait. Al remarque pour théâtre. De bouge zam nan mon. Ou pas vise pour prendre pouvoir théâtre a fait. De bouge zam nan mon. Ou pas vise pour prendre pouvoir, c'est théâtre a fait. Kokora, bagay kokora a fait. Ou ap cause moun mouri, ou ap cause moun perdi vie, c'est bagay kokora a fait. Ou pas dire moi mettre peuple dehors pour aller manifester pendant que ce peuple a boulé à faire malheureuse et puis peuple a jamais rien à faire bourgeois. Et peut-être ça me gère problème avec opposition. Oui. Je toujours plein bourgeoisie ceci, bourgeoisie cela, bourgeoisie salop, bourgeoisie senti cri, bourgeoisie côté ci. Chaque jour vienne parler mon caca yo gon confé. Dernièrement me dit comme ça ou parler dans des caca. Qu'on sait que ça n'a fin passe fantôme fin passé, ou pas être un groupe nèg dans opposition qui va venir avec un chèque, cinq petites chaises. On t'y tape et puis on parle d'une conférence de presse. Dans des même beaucoup, même fin parler 24 heures, 18 heures après, et puis on vient avec un chèze yo, t'y tape yo, et puis on fait conférence de presse. Et puis on a ici, on dit, là, on dit, ah, ouais, ça me dit, puis mettez screenshot là sur Facebook, là, on dit, mais nous, ouais, ça me dit hier, mais ni, c'est que tu vois, il y a un haïtien qui permet, qui, moi, je vous dis, nous, comme un haïtien méchant, volé, et au scot sort dit là, on ne pas connaître, tandis. T'as des haïtiens ouvert bouche il dit en bas texte ça. Oh, côte sort dit là mon pas de connait. Li pas dit non. Li pas même gè courage pour le dire. Mais il gè tantou li te connait. Mais comment haïtien? Mais nation, et pas nation sont ti cri en 2000 là non? Li tellement fin mettre te poste là sur Facebook. Il fin mettre. Vous comprenez le fait? Et puis lui même encore le capot du comme ça. Oh, côte sort dit là pour mon pas dit. Pour mon pas faire là, côte sort dit là, côte sort dit là, qui sort dit là, mon pas connaît, haïtien, côte sort dit là, mon pas connaît, ouais, j'aime bien, côte sort dit là, côte sort dit là, mon pas connaît, là, côte, en façon, oui, pour le minimiser, son fait, pour le montrer qu'il n'a pas bon valeur, il n'a pas bon importance, non, mal, il pense qu'il va descendre, ou la minimiser, ou, tandis, il n'a pas connu, il n'a pas connu, il va même chita sous dans l'école, il n'a pas connu, non, il n'a pas même fait, là, manger caca en Haïti, oui, et puis il n'a pas pensé, oh, côte sort dit là, mon pas connaît, oh, quand ça écrit là, mon pas de connaître là. Oh, quand ça dit là, mon pas de connaître. Mais lui-même, il va t'écrire là. Il va te mettre là. Il va t'écrire. Il va te courage pour t'écrire. Il va te courage pour t'écrire. Il va te oh, quand ça dit là, mon pas de connaître. N'est-ce que ça toujours avoir d'autre? Quand ça dit là, ça mettez là, mon cher. Mon te connaître. Mon te connaître. M'anticiper sur le comportement de l'opposition qui va prendre ou qui va capitaliser. Sur bagage 509 fantômes, pour relancer. Et campagne yo passé yo pa vle 509 fantôme nan barre yo c'est chaque affaire clan k ap régler m'ai anticipé ce comportement nèg parce que m'ai comprendre comportement nèg bien l'autre la volo a vinn côte ça moun pa te connait là côte ça qui sort du là moun pa te connait qui sort du là moun pa te connait en bas notre là en bas poste moi qui sort du là moun pa te connait là il te connait il était te connait oh à mon cher côte sort du haïtien voilà l'haïtien. Mais type, mais modèle nous gagne devant nous.
Mais l'individu, il va reconnaître, il va te connaître, non? Mais puisque c'est ou même lui qui dit, et puis il y a un petit problème avant, il y a un petit bail dans quel pour, il fait qu'on connaît, son dialogue et vérité, Ronaldo, il va d'accord avec la vérité, non? Il va reconnaître la vérité, il va valoriser, non? Pour le bon, valer. Quand on dit là, on dit là, on dit là, tout le monde a un petit bagage, tout le monde a un petit bagage, l'appeler lui down de façon pour pas paraître en gros. Et comme ça, oui. Et peut-être ça dans le retour dans le filo haïtien, pas qu'à dire que mon niveau dans le retour dans le filo haïtien. Haïtien a mangé, oh! Et a fait le parti pour prendre avion. Ou pas qu'à dire dans le demain matin. Pour faire toute semaine, nous 15 ans, ou pas qu'à dire pour le parti dans le demain matin, non? Ou pour quelle raison? Ou peuple haïtien va manger, oh! Haïtien, c'est diable! Haïtien, c'est diable lié! Haïtien, c'est diable en personne! Ou imagine, on va partir à l'autre pays. Ou pas vivre ou l'autre vie mieux. Ou on en quartier. Ou non quartier. Ou vivre avec moun nan. Ou manger avec moun nan quartier. Ou trouver une situation. Même si ou pas di moun qui zan moun de dans quartier. Quand t'as vivre pendant longtemps, 15 ans, 20 ans, 25 ans, ou t'as contrôlé, ou pas le parti dans demain matin, ou pas le parti dans demain matin, ou contre pour qui raison, ou peuple pour haïtien pas manger, ou peuple pour pas détruire, ou tellement qu'on est, ou tellement qu'on haïtien, c'est diable, ou peuple pour pas tio. Mais haïtien, ou peuple pour pas tio. Haïtien anti-progrès, c'est ça, oui, nous pas voulons reconnaître. Nous anti nous bagayon les progrès nous pas vle ça du tout. Ou donc on parle en baccalauréat longtemps pour qui sont pensé ou te compte citer nos monde dans radio ou pas citer encore. Intel lauréat intel telle école pour qui sont pas faire pour ça. Al garder pour combien monde qui mourit, combien élèves qui mourit. Haïtien mangil peut-être petite parle là bon. Petite pal, l'autre petite pal la pa passe dans reto. Petite intel la passe dans reto dans philo, mais petite pal la pa passe dans reto dans philo. Oh, talé la vie nouvelle col sous moi, talé. Mais là, c'est un problème, non, oui. Là, il sab, nous criminel. Ouais, blanc. On côtoie deux modèles de blanc. On côtoie blanc européen. On côtoie blanc américain. Blanc anglais. Ouais, blanc européen. Hein? T'as dans le continent européen. Yo égoïste, c'est entre eux seulement vous fonctionnez. Attendez, yo égoïste. Comprenez bien ça. C'est blanc pareil, yo. Yo remet. C'est le blanc. D'ailleurs, c'est eux avec question supériorité race blanche là. C'est eux même, c'est le blanc. C'est ça que fait, yo te compte pas utiliser un mot eurocentrique. C'est une mesure, l'ombrite, it's all about them. Tenez, oui? C'est ça que vous venez raciste. Vous avez l'autre monde, l'autre race, c'est supérieur. Vous quoi dans la tête, vous voulez supérieur. Ou j'ai ouvert mes têtes, vous voulez au-dessus. Mais, vous entrez dans la logique collective. Vous définissez tête par rapport à d'autres races. C'est-à-dire que vous définissez tête, vous remettez tête, vous remettez couleur, vous remettez blanc, vous remettez tête. Ou est l'amour, c'est pour pêcher les pour vous remettez tête. Vous remettez couleur pour vous. Et là, mais tout ça pas blanc, y'a un petit problème avec. Mais tout ça blanc, y'a prêt pour y'a protéger. C'est ça fait y'a protéger français, y'a protéger canadien, y'a protéger européen. Y'a remé tête. Y'a te fait guerre longtemps. T'en aimes bien, oui. Y'a te fait première guerre mondiale, y'a fait deuxième guerre mondiale. Là, y'a un compte. Y'a ouais, c'est blanc seulement qui a pédé mourir entre eux. Y'a ouais, gros crise morale dans le continent européen. Les grandes puissances européennes, y'a vu un accord de paix. Après, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, yo dit qu'on suspend, fait la guerre entre nos frères. Et puis, yo mette en place, ça ou l'Union européenne, dans le processus de construction de l'Union européenne, côté que pour yo résoudre problème yo, pour éviter la guerre, pour yo stable, pour yo résoudre problème yo par le droit, à la meilleure, par le dialogue et l'accord politique. Et puis, pour yo protéger tête, yo créer ça ou l'Europe de la défense. Yo créer l'Europe économique. Vous créez l'Europe, vous mettez tête ensemble pour construire, ça aurait été une sorte de État fédéral européen. Ça aurait été l'Union européenne. Vous comprenez pour quelle raison? Parce que vous faites trop guerre entre vous, trop blanchir vêtements, bel type pour mourir, vous estimez que vous devez protéger tête, vous devez remettre tête.
Les États-Unis d'Amérique, qui sont l'autre blanc, ont l'autre catégorie, mais avec l'autre culture qui partit de culture anglaise là, culture anglophone. Là. Vous comprenez ce qu'on fait? Mais ils sont tellement intelligents. À cause de questions raciales, de questions esclavagistes, ils ont fait la guerre de sécession. Guerre civile qui était aux États-Unis aux zones autour des années 50-60. Dans la guerre de sécession, ça, les gens ont trois blancs mourir. Blanc down saf avec blanc le nord, l'union contre la confédération à bataille. Vous voyez ça vous fait? Après la guerre de sécession, lorsque l'union a gagné, les gens entrent dans le processus de la reconstruction nationale. C'est-à-dire, pour l'unité de la nation, pour l'intérêt des États-Unis d'Amérique, ils mettent tête ensemble, ils construisent ça, nous, les générales, l'État fédéral américain qui gagne plus passé 50 États là-dedans, côté que chaque État yo gagne en autonomie relative, parce que y a une constitution par eux, mais l'État fédéral chargé de l'ensemble de compétences que les États fédérés pas gagné là-dedans. Les gars étudier fédéralisme avec nous, nous pourrons comprendre ça. Eh bien, pour me dire, mes chers amis, yo fait dans le souci pour protéger les intérêts américains et protéger le petit blanc américain. Mais c'est ça expliqué qui fait ti noir américain, black américain, pas j'aime quand j'ai une place ni, j'en ai supposé j'ai une place ni dans les États-Unis d'Amérique. Dans les pays, il y a toujours un petit problème racial, des tensions raciales qui mélangent avec des tensions sociales. Maintenant, il faut comprendre bien comment blanc il veut remettre tepli. Elle crée un ensemble de outils. Vous comprenez? Elle crée un ensemble de outils pour le protéger. Tête-li pour le protéger intérêt, pour le protéger peuple, pour le protéger race, pour le protéger nation. Mais gardez haïtien pour eux, caca. Gardez haïtien pour eux, gagote qui gagne. Voyez, chez nous là, gardez Haïti pour nous. Mais qui est ta? Si nèg moi à vivre, mais qui est ta? Nèg qui sous l'état yo dirigeant yo qui t'est malheureux à vivre. Mais haïtien, mais haïtien tellement nous pas aimer frère nous pas aimer sœur nous. Comment? Quand nèg qui est ta nous qui t'est à vivre. Et puis société ça. Nous réclamer tête nous délia. Nation ça nous réclamer tête nous délia. C'est tout le temps nous pas résoudre le problème de l'haïtien. Nous pas chercher contre qui ça haïtien hier pour nous résoudre problème ni pour nous ballon l'autre façon de penser, on l'autre vision, l'autre conception pour nous reconstruire haïtien. Nous caca, nous faites commencer manger caca. Nous faites commencer dans crise, nous faites commencer dans coup d'état, nous faites commencer pour dicter dans main blanc, nous faites commencer assassiner moun de bien, nous faites commencer assassiner nèg à doctorat, nous faites commencer assassiner l'intelligence, nous faites commencer bay moun kou en dedans pays d'Haïti. Et quoi me souvle pour me terminer? Vagabond, gangster, kidnappé, criminel en dedans société haïtienne, yo pa jam gen tête fait mal. C'est moun de bien kap mouri, c'est moun de bien kap tombé. C'est moun ki ta renmen société de bonne foi kap pon. Écoutez, Haïti trop sale pour moun de bien. Société haïtienne nan trop sale. Ça fait société à manger moun de bien. Nous gon haïtien, société haïtienne nan gen démangeaison. Du bien, depuis un homme de bien, un homme qui se prononce sur les choses pures, saint, qui a prêché des choses pures, des bonnes choses, la société haïtienne mange. Les papes la mange parce que son miroir ou empêche le vivre dans saleté, ou empêche le vivre dans ténèbres, ou empêche le faire malpropreté, ou empêche le faire caca, ou empêche le faire rabodage, ou empêche le grien bobotli, ou empêche le grien tukakal, ou empêche le faire saleté, ou empêche le tuer frêle pour le faire zombie, ou empêche le bail coup de poudre, ou empêche le voler lougaou, ou empêche le bail mauvais la main, ou empêche le bail monter pièce pour moun. Haïtien sale, haïtien senti, haïtien sale li senti. Moun de bien, pa ka fann rien sérieux en dedans société ça. Seul le nous va rendre nous compte que les forces du mal et les forces des ténèbres yo et yo kap dominer société haïtienne là. Ouais, du moment qu'on nous pou rendre nous compte de ça. Nous faites commencer dans le caca.
n'a pas posé ces problèmes politiques qui gagnent, n'a pas posé ces problèmes et constitution ordre juridictionnel, n'a pas posé ces problèmes élection bullshit. Le vrai problème du pays, les vrais problèmes de la société haïtienne, ce sont les fondamentaux. Ce sont des problèmes de spiritualité, ce sont des problèmes de moralité qui posent. C'est ça les vrais problèmes. C'est la métaphysique haïtienne qu'il faut refonder. C'est, je le redis encore, c'est la métaphysique haïtienne qu'il faut refonder, repenser et redorer. Si c'est non, sinon nous faites commencer à faire caca, nous faites commencer à faire folie président, nous faites commencer à pouvoir pays à développer, nous faites commencer à pouvoir pays à avancer, nous faites commencer à pouvoir pays à Saint-Domingue à bien mener bien ceci, nous faites commencer ouais bagage comme ça, parce que l'homme haïtien, l'haïtien lui-même, les raille même pour peut-être pas, les raille ça même pour pas, il pas voulu même rien de bon pour lui-même, excepté s'il t'a exposé à la bonne culture, aux bonnes valeurs morales et spirituelles, et puis qu'on y a un renouveau qui fait dans son intelligence, un renouveau, une transformation qui fait dans la mentalité, lui exposé aux cultures nobles, et puis qu'on y a lui vient raffiner, lui vient comprendre le goût du monde, lui vient remet ce que les bonnes valeurs, lui apprécier la vie, lui apprécier le monde, lui apprécier bon bagaille. À partir de là, lui vient tout un autre haïtien avec une autre mentalité, une autre culture, une autre manière de faire, une autre manière de penser, une autre vision des choses. Bon, well, s'il fait errer, là, il confond mentalité, ça le là, il mettait en Haïti, système n'a pas gel, société a brel, et puis il y a brisouli, il y a caca sous cimetière, il y a caca dans ton nez. C'est moi qui dis nous ça. Et bien, mes chers amis, moi salue nous, c'est un plaisir pour me dire avec nous, mes chers amis. Comme toujours dit nous, à partir de maintenant, toute live, moi, je vais faire, c'est celle dimanche, 10h. Pour des raisons personnelles et familiales, et m'pa pas faire la moi comme ça encore au cours de semaine là et dans matinée seul la m'pa faire celle le dimanche en tout cas mon bébé J109 yo tout zanmi camarade auditeur zanmi frèm m'invitez nous pour nous rentrer dans bagage ça et chaque dimanche c'est laisse rendez-vous à bail pour nous capable d'un petit échange nous pour nous faire petit parler nous et pendant l'intervalle n'a réfléchi bien entendu pour nous mettre on l'école, un institut, sous pied, côté qu'on a produit des réflexions sur la philosophie haïtienne pour nous capables de décoloniser, de construire et de décoloniser, de construire et pour nous capables d'accoucher une nouvelle société. Ça. Mon cher, chaque dimanche, nous avons à 10h AM du matin pour arriver midi. C'est un plaisir pour me dire avec nous, mes chers amis, nous connaissons. C'est une habitude, c'est un plaisir pour moi avec nous. Je salue nous toutes. Dulix, merci pour petit notre lot écrit en bas là. Merci, vraiment apprécié ça. Et c'est un plaisir pour me avec nous, Dulix et Castellin. C'est un plaisir. Ma ba nous rendez-vous pour dimanche. Tu me dis non si bagage dimanche à 10h. On a fait des réflexions, on a analysé, on a produit et puis nous on a travaillé pour nous mettre institution sous pied. Passez bonne journée. Jean-Frédéric, camarade Pam. Passez bonne journée. Rappel, respect pour nous. Passez bonne journée, bon dimanche. Et bonne journée à nous tous. Nous disons bon dimanche, bon jeudi. Que bon Dieu bénisse nous. Et à très bientôt. Ciao.